Et bonsoir à tous et à toutes et à tous ceux entre les deux ici, Nunu, accompagné de... Avec... Bonjour. Oh là, le micro. Oula, le micro il a saturé, le micro il a pas voulu de on entend toi. un bon. Le micro t'a destitué de ton rôle, Bloody. D'Akai, bien un évidemment. Meneur de jeu. Akai, bien évidemment, qui a une nouvelle coupe toute fraîche. Petit oh non, c'est juste, ça fait que de pousser, il va falloir que j'aille tout couper d'ailleurs. Voilà. Zig zig dans la semaine. Il va encore couper ses vaches, il va ressembler à Eric Cartman après. Hein? Et de Mioui. Coucou Miou. Miou, Miou. Ça va, vous avez passé une bonne semaine? Oui. Ouais. Vivement la fin, mais oui. Vous avez fait quoi de beau? Du sport. Oh. Travailler. Travailler. Et travailler. Okay. Dessiner. Du kiné? Ooh. Non, dessiner. Ah, dessiner. Du kiné, oui. Je sais pas, moi j'ai fait du kiné tout à l'heure, donc voilà. Voilà, vous aurait pu. Il y avait pas la magnifique kiné, malheureusement. C'est fini. Oh. Elle remplaçait mon kiné actuel et voilà. Oh, tant c'est pis. Con ça. Hein. C'est ouais, ouais, c'est ballot. Ouais. Du coup, moi je disais balnéo, décoration de l'école pour Pâques. Qui? Pour mon fils. Qui t'a demandé? Attendez. Stream, je reviens. Oh, ouais. Il faut taper plus fort, hein, Nino. Tu t'es fait mal, imbécile. Tu fais Nunu, on va reprendre le frim. Le frim, ouais. Oh, pauvre petite Nunu. Voilà, voilà, il est là le problème. Ouais, les mères, ma one shot, 3 poké. Voilà, je suis foutu. Tu sais rien, ouais. Du coup, ouais, suite de la campagne Fairy Tail Legacy. Oui. On est au 42e épisode déjà. Enfin, oui. Déjà. La vérité absolue. Ça nous a pris 5 ans pour faire 42 épisodes. ok, quelqu'un peut. Après. Hein? 5? On a commencé en 2019? Aucune idée. Attends, je sais plus, faudrait regarder sur le YouTube. Ça fait déjà presque 54 déjà. Bah, faudrait regarder sur le YouTube Netra, mais je crois. Non. Vous non. Inquiétez pas. Wow, allez. Ça fait bizarre de se dire qu'on a été. On envoie. Je dis 2 ans, 3 ans max. On regardera. Après. On regardera après. 3 ans sûr. On regardera après. Qui peut résumer la campagne? La fin, l'épisode précédent surtout. Qui est mort? Personne. Pourquoi? Parce qu'on les a sauvés. Comment? Oh non, il faut utiliser de la magie à Mustang qui était sur le point de mourir. Et en coupant les Liang d'abord. Voilà, les Liang. Ouais. Et pourquoi il était en train de mourir? Parce que les Liang, ils aspiraient son énergie. Bien. Il était accompagné? Oui, d'une magnifique Dragon Slayeuse. Et apparemment, alterne le temps. Voilà. Oui. Et l'espace. Non, juste le temps. Non, le temps et l'espace. Je me suis trompé de truc. Ouais, l'espace, on ne sait pas, probablement. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas. C'est déjà pas mal. Évacué ces deux Dragon Slayer grâce oui. à... On a évacué tout le monde. ...qui sont arrivés dans l'espèce de bâtiment où on était. Maintenant, on les a fait partir avec Nara, Dro, il y avait, comment il s'appelle, Ezekiel. Oui. 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 Et d'autres. Et maintenant, nous, on accompagne Zark parce qu'il y a un truc bizarre qui se passe encore dans le bâtiment. La lune de sang, Link. Oui. Rappelle-toi. L'imitation de Link est un octave au-dessus, je trouve, mon cher Aka. C'est pas grave, vraiment, les octaves. Le plan que vous avez commencé à deviner, c'était que le dôme de protection autour de la cité avait pour but d'emprisonner la magie de l'altération du temps à l'intérieur. Ce qui a fait que ça a ralenti le temps dans le dôme, donc le temps s'est déroulé plus rapidement à l'extérieur, ce qui a permis d'accélérer l'arrivée de la lune de sang. Et oui, des renforts par effet qui se coule. Puisque bah, vous aviez laissé Ezekiel
tout seul, en autonomie, et qu'il s'est débrouillé pour préparer un plan de secours pendant... Au cas où on merderait, sauf qu'on n'a pas merdé. Voilà, et toc. Au cas où, non, pas forcément au cas où vous merdiez, mais au cas où il y ait des complications qui semblaient arriver, puisque l'armée royale, en tout cas, était en train de, d'assiéger aussi les lieux. On les emmerde. Et la guilde de Fairy Tail était plus en tampon. En gros, il y avait les Deathly Katanas, la guilde noire qui était au milieu. Fairy Tail et l'armée qui arrivait aussi dans la zone. Voilà un peu. Je pense que c'était pas mal. Vous arriviez du coup à vous redéplacer, enfin vous arriviez justement à l'endroit, parce qu'il y avait aussi tout un lot de séismes qui commençaient à se produire dans la pièce dans laquelle vous allez arriver. C'est des petits séismes. Il y avait aussi un autre truc qui était important, je pense, c'était Neil Tolio qui a posé une question à Zarg. Ouais! Je lui ai demandé quel genre de roi il serait, il m'a dit le roi qui protégerait son peuple, du coup je le laisse tranquille. Voilà. Voilà. Et ça pour ceux parce qui... Parce que c'est notre projet! Non, justement, non. Pour ceux qui arriveraient justement sur le live ou sur le YouTube, c'est notamment parce qu'à la base, la guilde de Fairy Tail... Il était recherché pour 1 million! Le million. Par contre, je veux... Il n'a pas mis en avant l'argent. C'est la première fois et personne n'a relevé. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est parce que c'est les potes avant la thune, on sait très bien. Oh, la thune, tous les jours. Ah bah, c'est bizarre, du coup. C'est surtout ce pote avant la thune, parce que vous, je sais pas si je choisirais la thune. Compliqué, je pense. On tient Elena en otage, verse-nous 300 000 joyaux. Oh, laissez-la mourir, c'est bon. C'était quand même passé des petites choses pour ceux qui auraient loupé un épisode. Le papa d'Akai sauvé ou pas? Oui. Oui. Ouais. On avait très bien. J'ai sauvé le papa d'Akai. Parce que je crois qu'il y avait eu ça aussi en. Tu l'avais laissé dans les mains de. Je pense Sakura, Taurus et compagnie. Ouais, des gens, ouais. Ils sont restés avec lui pendant des gens, ouais. Voilà. Les personnes secondaires dont on s'en bat les couilles. Mais des gens de confiance quand même. La violence. Ah oui. Ah oui. Bah c'est eux qui vont livrer le combat final, non, c'est nous. Non, c'est Totorus qui va arriver au dernier moment. Qui va apporter une potion à Elena. Non, parce que j'ai eu plusieurs potions et plusieurs trucs. On m'avait appelé. T'as eu une potion. La cavalerie arrive. Ouais. Eh, c'est ma réplique. Il y a un truc pour... Il y a un autre choix par rapport à ma magie, un truc je crois qui me booste un peu plus. Qui devrait te donner un power-up vu que tout le monde en a un, c'est la mode, wesh. T'inquiète. Tout va bien se passer. Il va tirer une flèche sur un dragon de ronce derrière. Ah, ça peut être stylé. Ça pourrait être marrant, ouais. Comme ça, ouais. Donc. Ouais, c'est nous. Vous décidez de rentrer. Bah, on suit Zarg, il a dit genre il faut empêcher la lune de sang, blablabla, sauver le royaume. Allons-y en fait. Wow! Direct là comme ça avec les méchants? Bah, non, ouais, on est où? Attendez, hop. Les méchants. Ils sont la tête à l'envers ou quoi? Oui. Oui, c'est pas des membres du clan Shimura, c'est con. S'ils sont à l'envers, ça veut dire qu'ils sont morts. Ils sont KO. Hein. Ou morts. Oh, oui, c'est des gens. Exactement. Ah, ils sont là, les méchants. De Shimura. Ils sont tout droits. Les méchants. Ils sont méchants, vraiment très méchants. Voilà. Ils sont tout en noir, donc ils sont méchants. Très méchants. Ils sont tarés. Ils sont tarés, aidez-moi s'il vous plaît. Ah, désolé, par contre. Un peu déjà pu. C'est bientôt fini, t'en fais pas. Ça va aller, t'inquiète pas. Dans 3 épisodes. Dans 3-4 épisodes, c'est fini. Alors, donc vous arrivez justement. Et la première chose que vous arrivez à. Enfin, que vous constatez, c'est que oui, il y a effectivement un espèce de portail. À la différence de. Du portail que vous aviez vu à Deniche, celui-là est totalement stable. Il ne grossit pas plus. Oh shit. C'est vraiment un passage d'une perfection assez impressionnante. Il est pile situé
en dessous de, d'un concentré de rayons lumineux de couleur rougeâtre, qui donne la couleur aussi au vortex. Il y a 2-3 personnes que vous reconnaissez pour certains, peut-être que vous en fichez pour d'autres. Bah c'est toi qui es censé les reconnaître. Qui sont du clan Shimura. Mais vous les avez probablement déjà rencontrés. Je crois qu'à Denish, vous aviez rencontré lui. Alors, faut que je Alors c'est Nara qui les a vus, donc. Ouais, mais vous les aviez vus. Vous aviez vu leur carrure. Lui, il avait la carrure la plus atypique du lot, puisqu'il était, imposant. Était extrêmement imposant. Alors, attendez, faut que je vous retrouve les images en gros. À l'envers. Ouais, justement, je vais vous les afficher en grand, mais attends. Je ne vois pas tourner la tête droite. Bim, il y avait lui qui était extrêmement... Malheureusement, on n'aura pas le loisir de lui foutre une branlée. Ouais, quand même, il a l'air... Non. Et non. Ensuite, on a qui ? Il y avait aussi... Alors, ça charge. Ça galère aujourd'hui, là, ce rôle. Bah ouais, dis donc, pourquoi ça ne s'affiche pas ? Effectivement, ça s'affiche pas non plus pour moi. Ah. Est-ce qu'il y a une image ? Ici, c'est un peuple de la matrice. Alors, c'est étrange parce que ça met. Étrange! Ah, j'ai Kate! Bon. Ah! Ouais! Tu peux me les rafficher? Ouais, c'est étrange, attends. Il a perdu les images. Faut ouais, je recommence! Pourquoi est-ce qu'on recommence? Attends, c'est surtout que j'allais chercher les. Putain, merde. Eh, coupé! Pardon! Excusez-moi! Oh, j'ai rien dit! C'était un bug réseau Twitch. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je n'ai jamais dit de gros mots. Oh, on peut en dire, putain, oh non, merde, enfoiré, tête de cul, bordel, saloperie, ok, ah enculé. Bon, non, mais ne pas en dire, c'est bien aussi. Attends, on va y arriver, on va y arriver. Sale timpe, est-ce qu'on a encore fils de pute. Non, mais j'imagine que... Miori à dire, ah non, il faut pas dire, puis plus tard, ah, espèce okay. de. Et là, voilà. Pouf. Normalement, Mio s'est réparé. Pouf. Oh, allez. On dirait les arbres de vaille. Une histoire de poing du dragon. Et charge un dragon. Et on a normalement Mio. Bah écoute, au final, vu qu'elles sont KO. Oui, c'est pas faux. Ça va. Et voilà, Mio. Même en passant à côté. Oh, ils sont badass. Mais c'est qui fait ces drôles de... C'est Nail. Devine qui c'est. Qui font ces... Avec un petit filet de baffe, tu sais. Faut deviner celui qui aime bien voir des madames avec des gros lolos, bah voilà. Ça le fait baver. Et alors, j'aime bien les femmes à forte poitrine. Voilà. T'en as pas. Quel bâtard! Je t'aime, ouais. Je t'aime quand même! Ah Nini, moi j'aurais été toi, c'était ouais. une rotative comme ça! Va finir par me faire bobo à l'épaule hein, si tu continues. Moi, ça se paiera ce soir. Ouais. Oh là là. Ça se paiera ce soir. Hey, la semaine prochaine, je peux pas jouer, je me suis fait défoncer par ma femme! Bon, c'est elle qui va se défoncer ses petits points. Point avec ou sans produit. Alors du coup. Oh. Alors du coup. Cela ne nous regarde pas. Alors reprenons sur ces petits entremets. Oui. On va. Bon bref, ils sont étendus par terre. Voilà. Donc. Oh, okay. Ça m'a fait flipper. Dans quel état ils sont? Oh, ça. Alors ils sont. Blessés, ils présentent des traces de blessures à l'arme blanche. Et pour certains, au niveau des blessures, il y a des traces de brûlures. Ah bon ? À qui se sont frottés ces abrutis ? Bah, aux abrutis de plus de vent, là. Bah, ils se sont frottés. Dans cette direction, ici. Je sais que c'est pas bon encore. Une personne qui va parler à Reggie. Oh. Ah, plus peut-être qu'aux autres. Mais ils nous ont vu là, genre il y a combien de mètres? Alors ça, j'ai pas dû mettre la règle, je suis en train de me dire. Bah tu peux tester la distance, je sais pas combien ça t'affiche. Il est où là donc? Ah, LED! Ing! Mais lui. Il est encore là lui! Oui!
Ah bah c'est oh, pas le... Mais c'est il était mort dans la saison là. Qu'est-ce qui revient lui? Il est pas mort. Oui, il est... Il est mort dans Devil Slayer. Mais non mais... Et par contre, il a l'air de tenir une personne. Alors, c'est un Deadly Katanas, on l'avait vu oui. Lors de l'épisode de je sais plus quoi, où, bref, dans la forêt quoi. C'est ça. Ouais, il y a à peu près 30 pieds quoi. C'est lui qui à l'époque a mis KO Reggie, si je me souviens bien. qu'il a fait une remarque pas sympa qui m'avait énervé. Ah, et qui t'avait traité de merde, ouais. Il a dit que, qui il a dit surtout que tu ne l'intéressais pas. Il avait dit que ton maître c'était une. Eh oh non. Ah sinon, finis pas ta phrase. J'aurais pas aimé comment il a parlé de Sakura. Oh lolo. Alors. Qu'est-ce qu'il lui a fait du sale, sale, sale. Sale, sale, sale. Quoi Sakura? C'est quoi le rapport? T'as pas compris. Alors. C'est pas grave. Bah non. Arrêtez de l'embêter la pauvre. Oui, pardon. Parce que celle-là c'est pour toi. La personne que je vais te montrer c'est pour toi. Layla. Ouais, j'ai déjà voilà, plus ou ça. Moins aperçu le token. Voilà. Très bien, parfait. Je vois pas. Attends. Hop. Oh, yeah voilà, et tiens, et tiens, en c'est otage. Nana, c'est Nana. Et tiens en otage ta sœur. Ah, genre c'est un otage. Ouais, il a littéralement son katana sous sa gorge. Ah. Et elle a l'air d'avoir combattu. Mais elle a trouvé plus fort. Oh. Oh. Y'a pas paquet de mouchons. Putain, elle est balèze, ma sœur. Y'a pas paquet de mouchons, quoi. Ah, il est balèze, en du tout. Et en tout cas, il se tient là et il a l'air de. Il a l'air de. Comment ça s'appelle? Alors, déjà, il vous a repéré, hein, ça c'est une chose certaine. On vient libérer nos copains. Quel copain? Y'a pas de copains ici, frère. Néanmoins, il a l'air d'incanter certaines. Enfin, il a l'air d'incanter tout simplement des paroles dans une langue que vous ne reconnaissez pas. Mais ses yeux, eux, peuvent très clairement bouger. Oh. Et il va la sacrifier. Mais non. Désolé, Naël. Testos, 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 testas. Eh, tu m'avais dit, Naël, qu'il fallait que je t'énerve. Ah oui, je me rappelle de ça, ça a été dit. Voilà, t'aurais pas dû dire. Maintenant, il va t'énerver. Là, le MJ, il a tricoté un truc qu'on a mis, je pense. Tu vas t'énerver. Et tu m'avais dit, ouais, non, mais voilà, faut m'énerver plus que... Ouais. Voilà. Moi je pense qu'il y aura un shish kebab proposé. Hein. Mais bah tu es enculé toi. C'est bon, t'as assez normal là, toujours pas. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vous propose, voilà, c'est de réfléchir un petit peu. Vire tes sales pattes de ma soeur, tête de cul. La réflexion, Nail. Et après on va dire que c'est Akai, hein. Ok. J'aimerais bien voir que si c'est ton daron, hein, connard. Hein. Bah j'ai vu mon daron, t'as moitié en train de crever empoisonné, mon enculé. J'avoue que j'ai pas été tendre avec vous. Non, il est où l'antidote? Oh bah il est sur un autre. Oh, trop drôle quoi. Et l'antidote il est où? Oh bah dans un serpent, je sais plus. Et ça me cale, je sais plus. Bon moi je vais pète les dents. Alors. Donc, je prends note de ce que tu lui as dit, mais avant, on peut faire juste un petit tour de table pour que tout un chacun, vous connaissiez les intentions de chaque personnage, pour éviter peut-être des impairs. Bon, moi, déjà, ça marche bien, il est déjà bien énervé. Hein. Ça marche. C'est qui cette pauvre meuf-là? Alors... C'est une très bonne réaction que tu peux avoir à Kai, mais ce qui est sûr, c'est que Nail est en train de gueuler. A l'air de s'énerver, et vous l'avez, je pense, pas forcément souvent entendu gueuler comme ça. Quoi. Hey, qu'est-ce que ça, mec? La cavalerie est arrivée, non?
Peace and love. Peace and love, c'est toi qui dis ça. Oh oui. Toujours de... J'imagine bien les dialogues comme ça en parallèle, et puis le mec il se dit... Ouais, bon, s'en fout. Oh bah voilà, c'est la fin du monde, the end. Donc, alors, Neil, clairement, toi t'as l'air excité, énervé. T'as déjà ma réaction là. On est d'accord. Je pense que t'as deux doigts d'y aller d'un coup. Oh bah ça va y aller d'un coup, je pense. Hein. Ok. D'un coup sec. Question, j'ai récupéré mon arme ou pas, je sais plus. Oui. Oui. Je crois, ouais. T'avais récupéré ton arme. Ça, t'as récupéré Zangetsu, ouais. C'est bien. Okay. Zangetsu. Alors, Reiji. Bah, moi, j'aimerais bien observer un petit peu la situation, voir exactement ce qui se passe. Si c'est comme à des niches avec l'ouverture du portail, on avait réussi à l'interrompre. Et voilà, bah, l'idée, ce serait d'à nouveau interrompre. Mais comment? Instinct volonté. Direct. Avant le seul moyen qu'on l'a interrompu, je le rappelle qu'il y en a un qui a juste sauté dedans, quoi. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens? Parce qu'on ne va pas à chaque fois sacrifier quelqu'un. C'est-à-dire qu'on saute tous les 5 dedans et puis on est tranquille et on recherche enfin. Non. Après, vous... Après, n'oubliez pas que vous aviez évoqué l'idée. Qui revient. De foncer dans, dedans, hein, d'aller le chercher. Moi aussi, ouais. Attends, pourquoi j'ai pas. J'ai volonté, instinct. Et quoi? Volonté. Ah non, instinct et perception plus. Ah, perception. Oui, pardon. Le MG qui galère. Ou volonté et perception. Ça peut passer aussi. C'est quoi le plus sur les stats? T'arranges le. Ok, il s'en bat les couilles. Bam! 12. Ok, ouais, c'est assez énorme. Alors, ce que tu sais, clairement, c'est pas le même contexte que ce qui s'est passé à Deniche. Ouais. Des niches, c'était un effet qui s'est déclenché à la mort de la personne qui avait traversé, etc. Le, je sais plus comment je l'avais appelé, le gardien de la porte ou un truc comme ça. En tout cas, c'était un démon spécifique qui vous s'était infiltré. Ouais. Là, clairement, c'est la lune de sang qui a alimenté. Qui est la clé dans le process, puisque c'est ce qui a permis de canaliser l'énergie et la magie de deux personnes que tu sens encore présentes à trois endroits. Là, les trois statues, quoi. Les trois statues. Est-ce que je vais demander les statues à représenter quelque chose en particulier ou pas du tout? Ouais, on ressent des trucs. La magie. Les statues, ça a l'air. En tout cas, pour Reiji, c'est dedans. Il y a quelque chose qui contenait ou du moins qui route la magie des Dragon Slayer. Leur forme, c'est un petit peu étrange. C'est il y a moitié démoniaque avec des espèces d'ailes, mais à la fois un visage un peu divin, comme si c'était entre deux mondes, comme si c'était des créatures, enfin des trucs chelous, des anges déchus, des choses comme ça. Des demons. Je voulais les éclater, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Bah, si c'est ce qui contient la magie qui alimente le portail, potentiellement, faut essayer de les péter. Bah oui, mais non. Bah, si ça contient l'énergie vitale des corps qu'il y a au-dessus, et s'il y a mais moyen non, de. Mais non, mais on les a sortis de la zone de drainage. Donc, normalement, ils devraient plus les mettre en danger. Même si oui, non, grosse... Ok, même si c'est une grosse quantité de magie, si voilà, on les pète, ça risque de pétave. Ouais, c'est ça. Même si on... ça, c'est une chose. Mais même si on les casse, il faut voir. Pour une fois, Kaka, il dit un truc intelligent et Greggy veut tenter un truc con. Parce que si on casse... Non mais pardon. Non, pour le moment, c'est les joueurs et les joueuses qui parlent. Là-dessus, c'est vraiment votre déduction personnelle. Pour le moment, je pars du principe qu'on est sur du hors RP et que vous allez rebondir potentiellement avec ce que Reggie va vous dire ou autre. Ouais. Il y a une autre information, mais t'en sais pas plus. En tout cas, il y a l'air d'avoir un flux d'énergie. Je sais pas si vous voyez ma flèche. Oui. Ah ouais. Qui va du portail vers Rengoku et qui a l'air de... C'est quasiment imperceptible à l'œil ou autre. C'est vraiment ton odorat de Dragon Slayer ou autre. En tout cas, tu sens qu'il y a
une quantité de d'éther ou pas vraiment d'éther qui est en train d'être absorbée par cette personne. Ok, donc je peux quand même en parler. J'en fais part déjà à mes camarades de tout ce que j'ai ressenti. Est-ce que tu en fais part en chuchotant ou à haute voix? Bon, le problème c'est que est-ce que vraiment en chuchotant l'autre il va pas entendre parce que je le connais pas. Est-ce que vraiment on peut. J'ai de discrétion. Non, mais je crois que je vais le dire haut et fort parce que bon, finalement. Non, mais vu comment il a l'air fort, je suis pas sûr que ça sert à grand chose que de lui cacher que j'ai découvert tout ça, quoi. Même s'il l'entend, bah, ça pourrait même peut-être plutôt se déstabiliser, je sais pas. Ok, ça marche. Bah vas-y, dis-moi ce que tu leur dis. Avant que Neil fonce, parce que là, il allait. Je te dis que je me sens à travers les trois statues qui entourent donc le portail, qu'il y a la magie encore présente des deux Dragon Slayer qu'on a sauvés. Et que par contre, du portail en lui-même émerge de la magie qui a l'air d'absorber bah, notre ennemi, quoi. Rengoku, c'est ça? Oui. Ouais. Même si vous connaissez pas réellement son nom. Non, mais bon. On s'en bat les couilles. Parce qu'on va le massacrer. Tout ce que je sais, c'est qu'il va perdre un bras, le pauvre. Oh, exact. Ça dépend de l'initiative. Ça dépendra de l'initiative. Et voilà. Ah. C'est vrai que j'ai l'habitude d'être le plus rapide entre nous. Alors. Akai, quel est ton plan? Et, enfin, qu'est-ce que tu imagines? Je sais pas trop, c'est complexe. La géométrie, c'est pas mon truc. Ça fout souvent la merde et dans mon cerveau, donc. Ah bon, tu es horrible. J'ai des idées, mais je pense pas que ce soit les bonnes. Faut pas partir du principe qu'il y a des bonnes ou des mauvaises idées. Péter les statues, hein, sauter dans le portail, attaquer l'autre. Eh ben, tout se fait. Il y a trop de trucs. Non, je sais pas, je reste en train de... J'essaye de comprendre ce qui se passe. J'analyse. Okay. Si ça peut t'aider, il y a beaucoup d'infos parce que Reggie a fait un bon jet. Les trois mecs qui sont capoutes là, du coup, là, devant nous. Oui, je crois qu'on en jette un dans le portail. Mais non, mais c'est bon, arrêtez. Mais Reggie, qu'est-ce qui t'a fait? Ils sont en vie. En vie, mais sans magie, quoi. S'en fait défoncer, c'est tout, frère. Alors, eux, ils ont pas forcément de magie, c'est le... D'accord. Ils ont plutôt des objets, des armes... qui. Lacrymo. Voilà, qui sont pétés. Pour le mec un peu costaud, il a, sur le niveau de ses bras, il avait des espèces de gantelets. Ils sont fracassés. En fait, ils ont tous des armes autour du corps à corps. Ils ont tous des armes adaptées au corps à corps et qui ont été pulvérisées. J'ai un gantelet épée magique 3000. Tu peux peut-être transformer ton épée en gantelet. Et non, un peu comme les armes de Dante. Non, je pense qu'il voulait juste loot, hein. T'inquiète. Hein. Tout se revend. Hein. C'est grâce au moins lacryma avec un peu d'énergie dedans. La lacryma vaudra sûrement plus. La lacryma vaudra sûrement plus cher que le matos. Justement, c'est ce que j'ai. Si la lacryma est encore en bon état, il y a moyen de sauver quelques Sims Fools. Yeah. Et les Nile. Alors du coup, déjà, je sais que si on détruit tout, c'est pas la peine parce que ça va vraiment tout fermer. Il faut qu'on voit déjà pour essayer de sortir de la bonne parce qu'on voulait faire ça déjà. Le principe. Du coup, je pensais savoir si je pouvais pas envoyer. Je sais pas. Vas-y. Après, je sais pas s'il y en a pas loin, parce que là, on est vraiment sous-sol, c'est ça, à peu près, vers un truc sous-sol, ou... Ouais. Okay. Bah, vous êtes... Ah, des racines. Vous êtes après, t'as réussi tout à l'heure, donc... Oui, mais là, je sais pas s'il y a des petits bouts pas loin de là où on est dans la pièce, tu vois. Mmh. Est-ce qu'il y en a en dessous de... Genre la nature. Ouais. Explique ton... Voilà. En fait, là, explique ce que tu veux faire. Déjà, je sais qu'on peut pas désactiver les trucs, parce que ça va... tout fermé, on pourra pas ressortir de la bonne, parce que c'est notre objectif premier. Je me disais... Non mais... Ah, mais t'as fini, oui. C'est pour pas l'objectif premier de Neil, voilà. Voilà, pour certains, j'ai envie de dire. Savoir s'il y a pas des racines un peu en dessous ou pas loin,
Comme ça, je prends un peu de racine, j'essaie de faire passer à travers le portail discrètement et d'essayer de prendre de l'arbonne pendant qu'on les... Ah mais toi, tu vas jouer au grappin de hasard, genre tu vas choper un démon, allez, non. Oh merde, c'est pas le bon. Non, d'essayer d'avoir de l'arbonne, c'est d'un truc... De l'arbonne. C'est ça, pendant ce temps-là, nous, on les... Pendant ce temps-là, on les perturbe et hop, on essaie de faire... T'as cru que c'était une peluche, frère. Et j'essaie de trouver une idée. Oh. Alors... Non mais... Ou une plante. Alors... Ou sinon, mais... j'envoie une plante qui va chercher de l'arbonne ou un truc qui s'est cassé. Je sais pas, moi. Non, c'est plus. Démon. Échec. Il y a pas de chat. Oh, il y a un démon majeur dans la salle. Alors. Comment finir cette campagne sur une note négative? Faut quand même avouer. C'est cool. C'est une bonne idée. Mais déjà, est-ce que tu vois avec tes racines? Parce que tu vois juste ta racine avec un truc rouge, et puis tu vois rien de l'autre côté, à faire quoi ta racine? Voilà. Ouais. Ça, du coup, le côté grappin, enfin, moi, ce que je te proposerais, si jamais tu veux vraiment... je mets la tête dedans. Allez. Non, parce que elle est pas. Je pense qu'elle est quand même pas folle et pas certaine de revenir. Et puis j'ai pas envie d'avoir ma tête de l'autre côté, et puis que là je suis décapité en deux avec le truc. Hein. Parce que ce serait quand même intéressant. Alors, si vous avez pas d'autres idées, ça on peut creuser hein, ce qu'Elena peut faire là-dessus. Moi, ce que je tenterais, c'est une version peut-être plus chère de ton appel de la forêt pour que la créature. Enfin, parce que j'appellerais ça plus une créature que tu créerais de bois, etc. Okay. Traverse. Ouais, avec, avec l'idée, l'image de Dollar Bones. Ouais, c'est ce que je pensais après. T'es pas garanti que la créature reviendra. Ouais, après, c'est pas vrai, c'est une que j'ai créée, alors c'est pas. Du bois en enfer. Bon. Ça va brûler, hein. J'ai encore une petite image. Je suis pas bon en chimie, mais. J'ai encore une petite image. Je sais plus, vous avez une image comme ça. Oh là là là. Attends, je vais. Non, mais parce que. Non, t'avais partagé l'image une fois de l'autre côté, je crois. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça, hein. C'est désertique. C'est pas enflammé non plus. C'est pas enflammé, ouais. C'est pour ça que je vais envoyer, parce que je sais comment il a déjà montré une image l'autre fois. Et le démon, elle a déjà, Elena a déjà en plus eu une projection en astral. Touchant Ézéchiel. Elle a vu aussi le décor. Elle était dans le train, je crois. Si je me trompe pas. Du coup, ça se trouve, par l'esprit, elle peut lui retranscrire à son golem qu'il allait chercher dans ce coin-là. Oh oui, tu peux même inculquer la vision des lieux que tu avais vu autre. Parce que tu avais vu de là. La magie, ça va utiliser, elle va tomber par terre, Elena. Alors voilà, c'est ça le problème. C'est que. Il faudra, je pense, te retirer une trentaine de points de magie. On l'a fait à la fairy tale, tu l'attaques avec tes racines pour la déstabiliser, sinon, pour qu'elle se barre. Et let's go, Guingamp. J'ai Quill qui m'a donné un truc. Si je le prends, ça va pas m'aider à tenir plus. Ah, direct. Bah, si j'en ai besoin pour amener la plante. Alors, et tout, il faut jeter longtemps, peut-être ça peut. Parce que si j'utilise tout et je suis déjà à moitié faible et tout, ça va être chaud. C'est à toi de voir si tu l'utilises tout de suite. Mais ça fait quoi ça? La magie est beaucoup boostée ou moyen boostée? Ça va... Ça... Tu sais pas. Ah super. Ah c'est... Oh bah allez on pioche. Il s'est prêt à révéler un truc et en vrai il s'est dit non on va mieux la surprise. Non mais c'est vrai, c'est vrai ce que dit Nail. Tu ne sais pas ce que va faire cette potion. Ah ouais. Il t'a dit juste c'est pour faire passer ton pouvoir à un autre niveau, c'est tout. Ouais. Tu sais pas, genre le boost. Et c'est là qu'il imagine, j'ai la muscle et tout. Oh alors, y'a qui là? Non, c'était pour. Il a dit ta magie, Quill. Réfléchis. Ouais, bah ma magie, elle devient. Bon, les. C'est pas des muscles, ta magie. Si. En tout cas, y'a. Voilà, y'a. Y'a une possibilité, tu sens que ça peut être réalisable. Surprise, hein, dans le dos, avec tes racines. Possible. Tu ressors derrière lui, puis ça l'attaque. Mais hein. Bon, après, il a l'air d'être vraiment énervé, lui. En plus, il est tout seul, donc ça veut dire qu'il est encore plus énervé. Il a cassé la gueule de Reggie. Et pourquoi la mienne? Alors, il a cassé la gueule de Reggie à l'époque où vous aviez votre meilleur dé, c'était 3, je crois. Voilà. Et maintenant, c'est Reggie qui va lui casser la gueule. Voilà. Et là, vous êtes 5 potentiels. J'ai un compte à avec lui. Bon, mec. Même si...
Je peux lui sauter à la gorge direct ou pas là? Donc, alors... moi je me retiens depuis tout à l'heure. Hein. On est... Est-ce que du coup, vous démarrez un combat? Je vais le démarrer l'enculé. On démarre un combat? Ah mais ouais. Bah, là, si moi je veux... Alors hop, voilà. Si on a fait tous un tour de table et qu'on a dit tout, après on voit comment ça se passe du coup, non? Avant. Bah, je lui fonce. Parce que moi, j'ai pensé à faire ça. Naïve veut foncer dans le tas. Akai, c'est quoi déjà? C'est... Il est en mode j'analyse. Voilà, Akai, l'analyse et obtient. Et Reggie, c'est quoi du coup? Bah, j'ai partagé les informations que Reggie a partagé les informations. Après, et je pense que Reggie, t'avais pas non plus. T'étais comme Akai, t'avais pas non plus de solution. Mais t'étais tenté, t'étais quand même tenté de faire un truc avec les statues. Est-ce que tu as toujours ça en tête ou. Non, je pense que c'est pas une bonne idée de le faire péter. Non, tu crois? C'est une idée. C'est une idée, après, faut assumer derrière. C'est toujours le même principe. Ouais, bon, si c'est pour entraîner la mort de mes camarades, je vais peut-être pas. On va peut-être éviter de provoquer des catastrophes. Ouais. On en a déjà eu une explosion provoquée par un camarade. Hein. Reggie, tu maîtrises que la glace ou t'étais hybride maintenant? Je me rappelle plus. Je maîtrise la glace et la. La glace électrique. Ah, t'es hybride maintenant. Ouais. Mais c'est un mode particulier. Dans son mode Dragon Slayer mode. Voilà. Comme toi, tu as ton mode analogue que tu peux activer. Et moi, c'est mon tension mode. Et ça me bouffe beaucoup de magie. Et Elena mode. Bah, quand elle va prendre la potion, quoi. Nail. Ouais. Magique. Je suis pressé. Hein. Avant d'attaquer. Oh merde. Alors, j'aimerais que tu fasses un jet d'instinct sur perception. Il est tellement pressé. Et ouais. Je me suis dit, alors, avant tu veux faire ça. Ah, mais non, du coup, t'avais ça. Alors, il joue avec toi, c'est ça qui est bien. À 23h. Alors, le portail. Alors, du coup, tu sens une. Tu sens que Nana utilise un peu sa magie et qu'elle. Elle te diffuse dans l'air. Hein. Elle a une magie assez similaire de toi. En tout cas, elle a une magie aussi sur le domaine du vent, avec peut-être quelques petites parties électricité ou autre. Enfin, tu vois, elle fait des frictions dans l'air électrostatique. En tout cas, elle a l'air. Elle te fait surtout passer ses sentiments. Donc, certes, elle est effrayée. Adieu. Mais en tout cas, elle est plus. En tout cas, elle te fait ressentir qu'elle est plus préoccupée par le portail. Bedel. Qui a l'air d'alimenter en puissance Rengoku que pour elle, pour sa propre vie. Ouais. Adieu. Et alors? Je veux dire, c'est censé faire changer d'avis. Non, c'est juste pour te donner la perception de Nana. Après, tu vas jusqu'au bout. Bah ouais. Alors, initiative, bim. Allez. C'est où l'initiative? Et là, c'est là. Normalement, t'as un petit jet de dés. Tac. T'es sûr? C'est où les dés? Je vois rien sur ma fiche. Ah. Allez. On a le même nombre de fixés, hein. Ça, c'est joué au dés. Ah, oui, Kai 22. Et pas le résultat des autres. Il manque. Comment ça, tu vois pas le résultat des autres? Ah, faut toujours. Je les ai vus. Hors du tout tour. Et il manque Reggie. Attends, tu m'as dit quoi? Initiative. Initiative. Je sais que ça fait longtemps qu'on en a pas lancé, mais. Ouais. C'est au milieu, dans la colonne du milieu, sous le prénom. Oh là là. Ton bas. Ok. Voilà. Oh. On a des Akai Reggie 22. Ah, c'est beau. Il manque une personne. Non, Elena a lancé. Non, moi je l'ai fait aussi. Moi c'était 25. Il manque. Ça fait 25. Yeah. Une personne à Asarg. Putain, c'est vrai qu'on a laissé Nara derrière. Oh, on s'en fout, à part me foutre des bâtons dans les roues. Mais t'as fini avec Nara, toi? Non, mais Moi, je vais aller chercher de l'air dans le portail, vous allez pas me faire chier longtemps. Bah vas-y, on est tu peux. tu peux, hein. Depuis, et comme ça, on referme le portail et mince, ça caille le côté. C'est pas grave, moi j'aurais pas de regrets, j'aurais pas abandonné mon collègue. Oh bah voilà, ça y est. Ça revient, les lames. Alors les violons. Oui, oui. Les mouchoirs, $1. Nara,
Ah, Sarg, il est nul en initiative, frère. Il a 5 fixés. Voilà ce qui a merdé. Comment il peut avoir que 5? Parce que c'est juste un tank sur pattes. Ça avance lentement, mais c'est solide. Je me suis choqué. Non, c'est parce que je me rappelle plus de la... Ça fait longtemps que je me rappelle plus de la formule. Mais c'est pas grave. Bah, il y a vitesse, dextérité et... ça m'arrange. Instinct ou volonté, un truc comme nous, ça. Nous, ça nous arrange pas, je suppose. Oh, mais si, ça m'arrange, comme ça, vous êtes avant lui. Alors, petit rappel, du coup, juste, on va quand même réinstaurer les actions pour que ce soit... Hop, donc si vous voulez racheter des actions, etc. avec les points de frénésie, vous pouvez faire vos points de frénésie. Ah, c'est vrai, il y a les jets de frénésie, wesh. Oh là là, mais je déteste ça. C'est où les jets de frénésie? Là, c'est plus de dépenses en cours de route. Hein. Attends, c'est ça? Oh, j'en ai deux. Ça frénésie, je crois. Putain, par contre, le méchant, il en a trois, frère. Je sais même pas où c'est tellement j'utilise pas ces merdes. C'est tout à droite. J'en ai qu'un seul. Et les courantes, on est série initialisée, c'est à combien déjà? Voilà, zéro, c'est bien ce que je dis, ça sert à rien. C'est inutile. T'appuies sur le bouton. Merci, et ça va être le bouton qui est juste au-dessus de courant, ça va t'initialiser le courant. Ah, au début du combat. Ok, et je remets la dynamique comme c'était quoi. C'est ça. Pourquoi moi ça marche pas, ça reste toujours pareil. Ah, mais du coup en dynamique j'ai pas 10, j'ai 2. Ok. Pourquoi j'avais 8 points en dynamique? Peut-être parce que t'avais jamais remis à 0. Ah ouais, c'est possible. Magique. Vas-y. Et pourquoi? Okay. Attends, alors c'est où déjà les bails de frénésie? Vous êtes. Ça, on va le faire au fur et à mesure du combat. Hein. C'est ce qu'on avait dit. On a plus de dépenses avant le tour de combat. Attends, donc. Es-tu perdu, ouais. Je vous ressors juste. Quoi? Parce que j'ai actualisé, ça me reste 6 courantes, dynamique 0. Bah, bon, t'as eu combien en G3? T'as lancé un de dynamique? T'as lancé? Oui, j'en ai un. Mets-toi un en dynamique. Ok. Parce que ça me C'est quoi déjà? Okay. Je vous ai remis le tableau au cas où. Frénésie, c'est pour les faibles. Donc, vous avez tous une action gratuite, une action de réaction, une action principale. L'action principale se déroule sur votre tour. L'action gratuite, l'action de réaction, vous pouvez les utiliser pour quand vous voulez, pour agir dans ce avec votre en prenant la priorité. Si vous démarrez une action, vous ne pouvez pas contre-réagir à une action vu que vous êtes déjà sur une action. Et du coup, l'action d'un ami peut, enfin voilà, si jamais vous attaquez, qu'on se défend, si quelqu'un interrompt la défense de l'autre, bah, votre action, elle, est débloquée et vous allez pouvoir frapper à tout taureau de route. Enfin voilà, il y a un empilement de séquences, un peu comme dans certains jeux de société. Oui, on a l'appel à un ami, ça vaut 50. Ta gueule. Donc là, je t'en supplie, ferme ta gueule. En tout cas, il commence à avoir une aura qui est en train de se dessiner petit à petit autour de lui. Nail, c'est à toi. Ah bah ça va partir en mode... Kagebushi no Jutsu. Fais voir que je remette en maître. Ouais, ce serait sympa de remettre en maître en fait. Parce que j'ai droit à combien de mètres déjà sur mon déplacement de base? 8. Ok. Bah ça part en 8 mètres. Non. Déjà. 34 mètres. Attends. Ouais, si c'est peut-être 100. Ouais, si c'est ça. 2. Bon, je vérifiais par rapport à la taille du token, mais... Ouais. On est bon. Ouais, donc ça part en... Ouais, ça part en 8 mètres déjà. Hop. Attends. Et... 1. Ah oui, il faut que je clique IRA. Donc, ton action gratuite pour te déplacer. Voilà, et ça part en Winstep. On fonce dans le tas. Hein. Winstep, c'est combien? 18 mètres? Attends. Winstep, 16 mètres. Ok. Je serai un peu court, mais au prochain tour, je le défonce, quoi. Ok. Alors, mon jet de Winstep, je suppose. Ouais. Si tu veux. Ouais, voilà, la probabilité de rater. Foire. Ouais, la probabilité de rater, elle est... Voilà, elle est 12. Ridicule. Mais c'est toujours le Winstep de base que t'as, toi? Ouais, je crois que je l'ai pas augmenté, le Winstep. Ah ouais.
Ah, c'est... Ouais, l'optimisation est pas folle. Dommage. Alors, du coup, normalement, sur sa tête. Bim, ok. Voilà. Donc, ton action principale et ton action... On est d'accord. Gratuite, ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Ok. C'est où déjà? Ah, c'est là-haut, dans le journal. Je pense que, honnêtement, au vu de cette avancée assez rapide de Nail Tolu, Rengoku est en train de, petit à petit, commencer à trancher la gorge. Non, je dois réagir, vite. Mais, et il fait ça tout délicatement. Réaction, qu'est-ce que je peux faire? Réaction, qui dit? Quoi? Est-ce que nous on peut l'aider en quelque sorte? Ah mais je suis à peine à... Avec vos actions de réaction, oui, si vous avez la distance pour faire quelque chose, vous pouvez vous rapprocher de 8 mètres avec votre action rapide. Je suis trop loin pour faire... Enfin... Je repensais à mon histoire de glace que j'avais faite. Est-ce que ça peut pas l'aider à accélérer? Si je fais des glaces que tu avais... Mais je suis parti loin. Ah la patineuse. La patinoire. Loin, hein. Tu peux. Bah, si tu te déplaces et après que tu gères l'angle pour l'amener jusqu'à Rengoku, tu peux faire une réaction pour le faire se déplacer et tu peux enchaîner après Nail sur une action pour le frapper. Parce que moi je le vois qu'il est en train de rapprocher aussi. Ah oui, vous pouvez réagir, oui. Donc, dans la logique, ce serait peut-être mieux que ce soit Reggie qui réagisse pour faire la glace. Ouais. Faire avancer Nail et que Nail réagisse à la glace pour frapper Rengoku. Ouais, mais du coup, j'ai pas le temps de me concerter avec lui, il faut agir vite, donc il va juste sentir la glace sous ses pieds, quoi. Ouais, mais il faut peut-être que tu choisisses le bon angle quand même, parce que ça va être en ligne droite ton... Oui, par contre, oui, il faut que je me déplace. Tu vois, si tu vises Nail, Nail, il va faire... Yeah. Là, si je fais... C'est pas mal. C'est ouais, bien. Pas mal. Et du coup, tu veux faire avancer Nail de 10 mètres. Ok. Donc, est-ce que je vais pouvoir lancer ma glace? Je pense que oui, sachant que tu vas la... Alors, fais voir, on avait configuré quelque chose pour ta patinoire. C'était avec toucher de... Attends. C'était avec toucher de glace. Ouais. Est-ce que je peux toucher une zone? Ouais. T'as fait un pont la dernière fois, frère. De glace qu'on avait fait. En propulsant la glace devant lui, Reggie patine ensuite dessus pour avancer plus vite, mais rien ne m'oblige à patiner dessus. Ah, foulée de glace, exact. Par contre, on avait pas mis... Ah si, distance 126 mètres. Bon, ça va. Je viens de la rajouter. On est là. Je 126 mètres, c'est beau, et putain la vache. Pas loin, ok. Hein. Bah, il a fait le toboggan comme ça, je rappelle. Ouais, alors, ouais, on a fait un beau toboggan. Le pont, le toboggan, bref, il y a eu des bails. Hein. Dessin, il est où le dessin? Donc, tu vas me faire ton jet, effectivement. J'avais oublié qu'on avait configuré. Donc, c'est pas mal. On va faire en mode ligne. Et est-ce qu'on peut mettre. Ouais, bon, on va faire comme ça, c'est pas mal. Donc, je te laisse faire ton jet. 6. C'est cool ça. Pour un jet que je mets. Enfin, sans que je mette pas en cours. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, attends, je peux pas. Ah, je suis pas sur le bon. Oui! Oui! Attends, hop, c'est hop. Dur, hein. C'est pas la Non, ça va, je vais pas. je vais pas lui demander deux, de faire trois, un jet. Deux, trois. Je crois qu'il lui manque un sacrifice pour faire quelque chose. Un j'ai sacrifice pour lui faire quoi? Pour faire quelque chose pour faire terminer le rituel. Non. Je suis pas sûr, j'étais chercher un peu trop loin, mais. Hop! Il y a moyen que ça soit ça. Par rapport au nombre de cercles, de petits cercles. Et je peux. Ça se peut.
T'as deux que là-haut qui ont été servis, qui ont été épuisés de magie. Si t'en as trois, ça fait cinq. Et la dernière, la sixième. Et t'as exactement six petits cercles autour de la bouboule. Putain, pas mal. Il réfléchit bien. À quel réfléchit, si ça se trouve, il aura tort, mais c'est tiré par les vaches. Ouais, un peu, mais. Mais s'il a raison, c'est ouf. Il y a aussi un autre truc, regarde. T'as les trois petits ronds, ils sont réglés, ça fait un triangle, là au truc. Et en gros, s'il en manque un, là par rapport où il est, s'il manque un autre triangle, ça fait un pentagramme après. Oh. À l'envers. J'ai rien. Ah, je vais loin. Bon, allez, bon, go. Ok. Donc, Reggie, tu peux consommer ton action de réaction. Nail, tu peux du coup lancer la tienne. Je lance mon action de réaction. Alors, du coup, parce que t'es propulsé en même temps par Reggie, et tu vas faire... Je sors mes sabres pour trancher son putain de bras. Parfait. Trancheur de bras, on va l'appeler. Donc, les babouins, maintenant le Rengoku. Pour rappel, moi j'avais... T'as oublié la meuf brume. La meuf. Alors, juste pour rappel, moi j'avais fait mon action gratuite juste pour entailler la gorge de... Oui, je sais. ...de Nada. Donc j'avais fini... mon action, parce que j'allais pas la tuer aussi facilement. Donc je serais tenté quand même de me défendre. Avec elle. Il va trancher sa sœur en deux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais ta gueule. Mais ferme ta gueule. Il est trop con. Il est horrible. Ah bah, et là, il met sa sœur devant. Ferme ta putain de gueule! C'est bon, j'enlève les lunettes. Spartaka, il a été trop loin pour aujourd'hui, là. Il est horrible. Bon, allez, on va foncer, on va taper. Il est horrible, c'est ta gueule. Ouais, du coup, mets sa sœur devant, toi. C'est bon d'enlever les lunettes. On va redevenir un peu moins smart. C'est bon d'enlever les lunettes. Alors, Lunan, il va pas. Je pense qu'il. Il va pas se servir d'elle en tant que bouclier. Oh. Je pense que avec la rapidité de Nail, il faut qu'il agisse rapidement et que bouger un corps, ça va être plus lent que de parer avec son arme. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête. Ça peut te rassurer, Nail. Mais j'ai changé d'avis, je vais écouter l'avis. Non, de mais c'est bon, toi. Arrêtez. Donc. Ça te va? Ça me va, moi. Bah, ça me va, moi. Ok, bien. Et bah... Déjà que le dernier épisode était tendu, mais celui-là, frère. C'est un Ok. Donc on est bon. Je suis parti un peu loin. On est bon, ouais. Ok, moi j'ai préparé mon jet. Ok, faut que je prépare mon jet du coup. Combat mêlé dextérité. Attention. Oh le soir. Nitoryu Iai. 1. Rashomon. Ouais, il y a eu trop de dés là, j'ai pas tout fait. Ah, diantre. 10. Nickel. Ah. Kebab. Des copains de sorette. Alors, et vu que c'était juste pour se défendre, il y a pas de coup qui va venir t'enlever des dégâts là-dessus. Par contre, tu vas être repoussé. Qu'est-ce qui t'intéresse, Nail? Être repoussé dans le portail. Non, non. moi, de base, je visais à trancher ses bras en mode. Donc, si je suis pareil, ouais, je repars un peu en arrière. Quoi. Mais est-ce que t'es repoussé dans le sens où t'es venu, c'est-à-dire sur la glace? Ou est-ce que t'es repoussé légèrement de côté, histoire de pas atterrir dans Reggie. Donc tu. Non mais je veux dire, tu vas à côté là. Tac. Ouais. Ici, nickel. Ça aurait fait un. Du coup, comme il a relâché Nana, elle tombe à genoux au sol, mais elle a pas l'air d'avoir non plus de la force pour se déplacer tout de suite. En tout cas, tu l'as fait lâcher ta soeur. Oui. Ça, c'est un bail. Et lui, il a dépensé son action de réaction. Donc, moi, j'ai plus rien. Très bien.
Et du coup, j'ai plus rien du tout. Il a tout lâché là. Ah, je vais déguster sa mère. Erreur maximum atteint. Vous avez déjà une action prioritaire. Très bien. Eh ben, je la perds. Mon action principale. Oh. À toi, Elena. Donc là. Oui. Le combat. T'as vu tout ce bordel là. Hein. Démarré. Il y a Reggie qui est venu en support de Nail pour accélérer la libération de sa sœur qui vient de tomber à genoux au sol, hein, qui a l'air d'être épuisée et elle a un peu de sang qui coule le long de son cou. Qu'est-ce que tu fais? Elena, n'oublie pas que tu peux soigner des gens. Est-ce que tu suis ton plan? Bah déjà, ça je vais le faire après. Là, du coup, je pensais c'est sortir des lianes et la faire déplacer jusque vers nous, comme ça après je la soigne. Oh! Oh! Je crois que tu peux soigner à distance, mais. Ouais, mais ça coûte moins cher. On sait jamais, voilà. Bon, c'est surtout pour voir. À défaut qu'elle soit tranchée, c'est. Voilà, on va quand même essayer de la sauver. C'est surtout vis-à-vis de. Enfin, voilà, en termes de séquence. T'ira plus vite à la soigner à distance que de la ramener, de la soigner. Ouais, mais au moins elle sera en sécurité si elle l'escorte. J'ai pas envie de la soigner puis qu'il la reprenne et qu'il la retaille et que. Oh, je peux pas faire ça, hein. Ok. Soigne. Bah, t'es un heal donc c'est le rôle d'un heal. Oui, mais bon, à chaque fois, bah, ça va découper en morceaux là, pauvre. Oh, soigne. Elle va douiller tout le temps. Elle se fait un film toute seule. Oui, vas-y. C'est Elena quand. Est-ce que tu veux... vas-y, fais-moi ton... Décris-moi concrètement ce que tu fais avec ton appel de la forêt. Bah du coup, je fais mon appel de la forêt pour sortir des petites lianes qui essaient de prendre Nana, c'est ça? Nana, ouais. Ouais, qui la déplace jusque nous si c'est possible. Et après, plus tard, si je peux, c'est la soigner en fait. Donc... Qui la tire, qui la ramène vers toi, ouais. Ou tu... Ouais, oh, qui okay. La ramène de mon côté, avec les autres. Fais-la pas passer dans le portail, je t'en supplie. Mais non, je vais faire le tour, ou je vais essayer de passer, tu vois, pour pas qu'elle passe à travers. Oh, mais c'est passé à travers le portail. Ah, c'est con, ça. Bah, tu vas chercher, elle est passée de l'autre côté. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous fait, Attends, on passe tout. Oh là là. Ok, vas-y, fais-moi ta magie. Mais appelle mais... à la nature. Appelle à la nature. Alors. Ah, si, il y avait un truc. T'accroches une liane autour de nous et on se fout dans le portail. Mais ta gueule. Oui, et imagine là qui casse la laine de l'autre côté, on sait pas ce qui se passe, la laine elle se casse. Comment tu fais? Bon, fais ton appel à la. L'écoute pas. Il a enlevé ses lunettes. Ouais, bah c'est bizarre qu'il réfléchit encore là. Il a enlevé ses lunettes. Arrête de réfléchir là. Alors, appel à la nature. J'adore cette réplique. Ça va devenir un running gag quand même. Il a enlevé ses lunettes. Il faut que j'enlève 6 PM. Putain, on s'est pas soigné du tout avant de démarrer par contre. Oh, moi la magie, je dois avoir plus de la moitié dans moi. 9. Pas le temps de se soigner. J'ai fait 9. J'ai pas eu le temps. Ouais. Ok. Quelle distance 38 mètres. Pourquoi il a pris un accent? 38 mètres. Pardon. Pourquoi elle a pris un accent? Alors, 38 mètres sur... Si c'est pas le mur que tu vas construire, hein, là, que tu mesures, mon cher Bloody. Hein. On va faire 42 aglos. 40 mètres. Regarde-le. Et après... J'ai mesuré avec le double décimètre. 81 mètres. Et je crois que ton sort d'appel à la forêt, il a une portée de 160... T'es 1 mètre, je crois, tout en bas. Putain, mais c'est quoi cette portée abusée des sorts? Ça, c'est parce qu'ils... C'est le calcul de leur caractère de volonté et de leur domaine, plus le modificateur de distance. 100, 120 mètres de distance. Mais je crois que ton sort à toi, il a augmenté, hein, le... Thunder Kick... Ouais, 120 mètres. Non, pas Thunder King, le Cutting Kick, il a 200 mètres. Ouais, je peux tirer à 200 mètres. Ça s'est boosté automatiquement avec vous. Donc oui, tu peux l'attraper. Et la ramener. Oh, et... portail. Salut, non, je... À ce moment-là... Ah non. 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 Eh si.
Génine, non. Génine, non. Non. Tuk-tuk-tuk. Pim. Non. Non. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Voilà, ah, je ne sentais pas. Et ben voilà. Et c'est juste, c'est ouais, juste pour oui, voir si, oui, oui. S'il allait, s'il allait, si t'allais à pouvoir l'attirer un petit peu quand même à toi, mais là il a. Ah, pas là, hein, c'est compliqué. Là vous êtes en train de le chauffer. Alors par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il a arrêté de psalmodier. Ah. Au moment où Nail Toru a attaqué, il s'est arrêté. Ça coûte con. Bref, ça vaut pas le coup. Le joueur se dit ça vaut pas le coup. Du coup, c'est de quoi le pensa? Il bouge pas, il reste normal comme ça? Bah, disons qu'il a arrêté son incantation sur vous. D'accord. Ouais. Mais est-ce que ça perturbe par rapport au portail s'il a arrêté? Le portail est toujours d'une stabilité. Ok. Étonnante. Mais il a fait quoi, du coup? Donc, lui, il a tranché le. Bah, yes. Les lianes de... d'Elena. Et je vais tu. Et tu. D'ailleurs, tu. Ce que tu vois. Nettement, c'est que là où il a tranché, tes lianes sont en train de brûler petit à petit. Oh shit. Et sa lame est enflammée. Ok. Ça c'est dédié katana en champant de flamme sur le sabre. Ok. Mes lianes, une petite liane. Calme-toi. Mais moi j'adore la nature. 4, quand même. Je rappenais 5 avec enflammé 5. Il y a quand même un match-up. je tiens à le dire. Hein. Donc, Elena, on est d'accord, c'était ton action principale. Oui. Très bien. Elle a plus l'action. Je descends ton action principale. Enlève okay. Ton mana au passage. Ouais. Reggie, vous êtes tous les deux au même niveau. Ouais. Qui joue en premier? Reggie. Quoi? Attends, va te servir. Moi j'ai consommé quoi comme action du coup? T'as ton action dans l'action. Réaction. Mais est-ce que là, ça sert et ton action gratuite et ton action gratuite parce que là, tu t'es déplacé. Là on a re. Là c'est toujours pareil ou ça? Tu peux consommer une action principale. Non, c'est toujours pareil. Rien du tout là. Est-ce que. Voilà. Oui, est-ce que. Pardon, désolé. Oui, est-ce que vous pouvez juste. Fermez vos gueules, ouais, je sais. Que je peux, Tu peux utiliser une action principale, mais tu peux plus te déplacer, donc faut non, voir ce que tu fais à distance. Du coup, je voudrais utiliser cette fois-ci la magie de glace foudroyante pour parce que il touche ou pas le pont, enfin le chemin de glace que j'ai fait ou pas. Faut que t'actives le mode d'abord. Ah purée, je sais plus comment t'active. Tu lances le sort, mais du coup, ce sera pour le tour d'après. Que tu pourras faire quelque chose ou en réaction. Ah, bah t'as plus de réaction. Donc ce sera le tour d'après. Comment je l'active déjà? Tu as un mode. Ah oui, attends. Ça me parle. Enfin, un mode. Dragon Temurak de grâce, foudroyant. Ah oui, d'accord. Morsure fait appel à la puissance de sa graine de dragon. Ok. Oui. Faut que j'active avant de pouvoir l'utiliser. Oui. Ah, mais oui. Ouais, bon, oui. Je vais l'activer parce que je pense que juste la glace suffira pas à battre patate. À battre patate. Très bien. Incroyable. Tu n'auras pas, c'est un sort à maintien, donc à chaque début de tour, tu retireras 5 de PM. Donc là, j'en retire 5. Là, t'en retires 10 parce que tu l'actives et le tour d'après, ce sera 5. J'ai fait la même erreur. Alors heureusement qu'il a presque pas utilisé de magie, le Reggie. Hein. Je suis en train de voir le restant de magie, où je fais où? On aurait dû soigner avant de commencer. Ah non, c'est une potion de soin que j'ai, moi, purée. Ouais, mais c'est pas grave, ne sous-estimez pas. Je peux toujours à boire. Hein. Vos facultés, c'est surtout pour plus tard que ça va être dur. Pour la seconde phase du boss. Ouais, c'est surtout bon. Pour la commande que vous aviez fait après. Tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je suis d'accord pour tout. Hein. Moi, je fais plaisir à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Oh, vous verrez ça à l'épisode final. Ou des. Ah ouais. Des... Oh punaise, ah oui. Oh, les épisodes finaux. Alors, donc tu actives ton. Ouais. Ton pouvoir. Il y a un truc. Que
qui te perturbe au moment où tu vas commencer à l'activer. Je t'avais remarqué que la dragonification s'accélérait. Tu te rappelles? Ouais, mais qu'on en avait parlé. Conscience. On avait dit. T'avais conscience que quelque chose changeait en toi à chaque fois que tu utilisais tes pouvoirs. Par contre, là, il n'y a pas d'accélération de dragonification qui s'opère. Oh. Tu sens. Et du coup, tu actives pleinement ton pouvoir comme tu le sens. En tout cas, t'as ce petit détail qui te saute aux yeux, qui te saute aux tripes, puisque c'est plus quelque chose que tu vas ressentir, comme si il s'était passé quelque chose que t'arrives pas à savoir un peu ce qui s'est réellement, c'est réellement déroulé. Pourquoi ça a changé, ouais. Ok. Encore un truc bizarre. Ouais. Je plante mes graines pour plus tard. Ah. Donc t'as lancé ton jet de dés quand même. Et là, vos spécimens de sort. Ou pas. Attends. Tout à fait. Ah, oui, j'ai pas lancé. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Dernier jet de dés, c'est Elena que j'ai. Ah bah, j'ai pas vu non plus. J'ai pas cliqué correctement. Ouais. Oh, le misclick. Yep. Alors. Bah, tu veux pas me lancer? Oui. 12. Ok, nickel. Ça passe. Combien? Crème. 12. Alors, pour rappel, hein, ça va te... Je sais pas si t'as peut-être relu, hein, mais ça te donne pas le même bonus que la Dragon Force tout seul. Ça te donne un bonus que de 3 à tes GD sur le... Je sais plus, on l'avait dit, c'était sur le physique, je crois. La seule différence, c'est que tu peux rajouter l'élémentaire d'électrique sur tes sorts, dans tes combinaisons de sorts, et combiner la glace et la foudre. Et la foudre, ouais. Qui te permet de faire des combos d'altération d'état qui peuvent être intéressantes en termes de stratégie. Donc on est pas mal. Ok. Akai. Ouais. Ah, il a remis ses lunettes, c'est pas bon ça. Non, je... Ça y est, t'as le plan là. Reggie a activé clairement son mode dragon, Dragon Slayer démoniaque électrique. Donc il est en train de se préparer à passer au combat. Neil a déjà foncé dans le tas et Elena a tenté de récupérer l'otage, mais ça s'est pas forcément passé comme elle voulait. En tout cas, lui, il a l'air chaud. Chaud patate. Est-ce que t'es chaud? Ouais, non, je suis pas trop... Chaud patate! Pour aborder le combat, là. T'es pas obligé. Tu peux t'asseoir et regarder. Oh putain. En mode, il va parler avec l'autre. Alors, comment ça va, toi, en ce moment, à la famille? Ouais, c'est limite, j'ai envie de faire ça, tu vois, pour parler avec Alog, mais... Bah, le truc, c'est qu'on ne connaît pas ce qu'il est, ce qu'il fait exactement. Qui est en face de nous, on sait pas grand chose. À part que c'est un portail complètement stable, mais ouais. C'est vraiment le portail du chaos, du truc du démon là. Je suppose que oui, mais pourquoi il fait ça? Tu es quasiment certain parce que Alog. On a fait un tour à la bibliothèque, Alog se situe. Alog te le fait ressentir, le portail dans un sens. Peut conduire au royaume des démons et dans l'autre sens pourrait conduire au royaume des dieux. Chelou cette histoire. Mais après, dans le sens où est posé le portail, voilà, faudrait passer par en dessous quoi. Et en dessous, bah, il y a un peu des rochers. Et il sait pas qui c'est, ça lui dit rien le Rengoku, non il... C'est celui qui a cassé la gueule de Reggie. À la base, c'est un humain. En tout cas, si il y a pas un démon qui l'habite ou je sais pas quoi, qui connaît. Non. Par contre, il a. Par contre, il est en train d'absorber l'énergie que dégage ce portail. C'est toi qui es fatigué pour entrer pour moi. Et du coup, il est en train d'opérer des transformations sur son organisme.
J'ai combien de distance vers le tunnel de... Enfin, vers le truc de glace là, de Reggie. Il veut glisser. Oui. 13 mètres. À moins que je le prenne direct là, puis que je m'approche de lui, en glissant. Oui. Enfin, bonus ou pas? En glissant. Attends. Ah mince. Avec l'élan que je prends. Ouais, ça serait ça, ouais. Alors, avec... Ouais, ça s'appelle rentabiliser l'action de réaction de Reggie, là. C'est énorme. Moi, je serais tenté de te dire qu'avec un jet de... Parce que c'est comment ton jet de course ton jet de course, il t'emmène jusqu'à combien? Ouais, avec ton mode rapide. Ah, ça gaspille une action, ça. Ouais, ça va te gaspiller une action, mais après, tu pourras peut-être... Je vais pas en même temps activer mon armure, du coup. Non. Soit je marche et je glisse, ou soit je... Non. Nanana. Fichier, il a dit. Allez, je vais aller vers lui, et puis quoi, j'aurai rien, j'ai pas de magie, j'ai pas d'armure, je vais me faire éclater la gueule. Et si je fonce vers lui, je peux... Enfin, j'aurais même pas d'action vers lui, on est d'accord. C'est juste, je suis à son corps à corps. À moins qu'il réagisse et que du coup, tu réagis derrière, non. Bah, surtout que si t'es en train... Voilà, si t'es en train de faire une action, tu... De toute façon, tu pourras pas réagir. Full useless, je sais pas quoi faire. Je pense que... Dans la salle. Alors, tu... Mais tu vois, t'aurais... Enfin, si jamais tu dis que tu... Tu m'aurais dit, au moment où Reggie active son armure... Enfin, son mode « J'active mon armure » avec ton action de réaction. T'aurais pu faire ton action de réaction pour... Mais j'ai pas d'action de réaction, faut dépenser si, des points une... pour ça. Non, t'en as une gratuite par tour. T'en as une de base. Tu vois, dans ta fiche, t'as une action gratuite, une action de réaction, une action principale. Casse-tête. À l'ancienne. Et, hop, normalement, t'as 6 points courants de frenzy. Mais voilà, ça serait... Donc là, si tu veux, tu peux en une action, tu peux quand même te rapprocher. Au pire, tu prendras l'aggro. Au mieux, le tour d'après, tu pourras quand même réagir à bout à portée pour le frapper, te foutre devant ou autre. Je marche classiquement, je pense que je peux marcher. Tant pis. Du coup, il est blasé. Bah, je sais pas quoi faire, donc oui. Je sais pas combien de... Si tu, si tu fais ton action... Non, si non, tu... j'ai pas des sorts corps à corps sans rien, ni machin, tant pis. Hein. Bah, utilise ton armure et... Ouais, armure. Bah alors active ton armure pour le tour d'après et puis rapproche-toi. Bah ouais. Pas, j'ai le temps. Mais comment ça, t'as le temps? Non. Faire l'armure maintenant, plus la maintenir au prochain tour, je suis pas encore à son corps à corps, j'ai le temps. Je vais la faire au prochain tour, l'armure. Ah, tu vas vraiment passer ton tour sans rien foutre? Et tu veux que je fasse quoi? Je suis trop loin de tout, je peux rien faire. Mais tu peux te déplacer... Alors, sur ton action principale, tu peux aussi te faire une action de déplacement rapide. Tu sais, t'as un déplacement rapide ou athlétique. Là où il y a écrit 15 mètres, 18 mètres avec un dé. Si tu veux te déplacer un peu plus vite que 8 mètres par 8 mètres, quoi. 15 mètres, oui. Ah ouais, rapide. Faut genre un dé. Bah, tu cliques sur le bouton et ça va te donner la distance de parcourir. Si je fais ça, je peux pas mettre l'armure. Non. Non. Et si je suis trop proche, enfin, c'est toujours pareil. Après, tu pourras l'activer en mode réaction si t'attaques. Hein. Rigole pas, Nail. Faut que j'lance un dé pour en rapide alors. Parce que Nail est encore en terre. Hein. Vas-y, fais ton truc. Je sais plus où j'étais là. 22 mètres, pas mal. Alors. Comment on fait les mètres là dans cette saloperie de. Tu utilises la règle. T'as l'outil mesure. T'as l'outil mesure. Alors faut que t'ailles dans menu et que tu fasses voilà. Ah ouais là. Non. Ah ouais. Comment je fais déjà? C'est combien que j'ai fait? 22. Ouais. 22. Et avec ton déplacement gratuit, tu peux arriver juste à côté de lui. Ouais, il est à côté de lui, moi. Gros câlin. J'ai pas envie d'être à côté. Mais si, gros câlin. Tu peux te rapprocher déjà. Ouais. En tout cas, pendant que tu t'avances de manière rapide, t'as cette discussion avec Alog et au moment où tu passes à côté,
tu commences à percevoir effectivement c'est que ce portail c'est une pièce à deux faces et que il a l'air de lier en fait les trois univers, le vôtre, celui des dieux et celui des démons. T'auras rien fait, t'auras discuté avec Alok. Oui. Je sais pas trop. Si jamais tu veux repartir, tu as juste à passer sous le portail et tu peux aller chez lui. tu peux livrer Alok dans son. Je vais être recherché ou je sais pas. Ok. Très bien. Nouvelle initiative. Non, et Zarg. Ah oui. Oh, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Zarg? Va se cacher derrière une statue. Ah, mais quel foussard s'il fait ça, frère. Qu'est-ce qu'il fait, Zarg? Il fait 21 mètres. C'est déjà... Il se met juste derrière moi. Mètres. C'est déjà bien. Alors, attends. C'est bien. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Hop, lui, il va faire l'idée de Dakai. Wouhou! Eh bien, tant que pour moi, cochon. Est-ce que par contre il se tient correctement et qu'il va réussir lui à faire du patinage? Oh, fuck! Oh, il y a 2-1. Non, 9, c'est bon. Ça va. Tout va bien. Ça va. Et il a quand même 8 fixes et il a un seul succès. En plus. Tout va bien. Il a tout réussi au succès. Tout va bien. Et du coup, il arrive en support de toi, Neil. Ah, ok. Neil, il est focus sur Rengoku, là. Tant que sa sœur, elle est pas hors de danger. Voilà. Il n'y a plus rien qui existe. Juste sa sœur, Rengoku, éloigner sa sœur de Rengoku. Voilà. Ça s'en fait Neil. Parfait. Alors, comment je fais pour vider comme ça? Tac. C'est reparti, mon kiki. Encore un tour d'initiative. Vous résetez vos actions, vous relancez les dynamiques. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait les jets de frénésie de Zarg. Oh le bâtard. Ah merde, c'est con ça. Et. Par quoi, initiative là? Ouais. Initiative. Ok, Zarg est un petit peu mieux. Oh merde, je me suis gouré de dés, pardon. Excusez-moi. Comment tu peux te gourer de dés? Je me suis gouré. Putain, j'ai fait qu'un. Voilà, chais. Ouf, merde. Il a fait encore plus que moi. Il a fait un, il a plus que moi. C'est dégueulasse ce jeu. Ah merde, c'est lui qui va commencer. Chais. Oh putain. Ah zut. Bon, alors là, moi, je ouais, mais merde, non. Il y a tellement de pop-up. Non, mais ça. Ah non. C'est une aile qui fait nimp. Oui, j'ai fait nimp. Ok. Partout là. Très bien. Grayeuf qui veut écrire, qui veut ouvrir un mail sur son PC là. Clic 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 clic. Je sais même plus à combien j'étais en dynamique. 0, on s'en fout. Non, t'avais pas 0. T'avais fait 2 la première fois. Et là j'ai fait. J'avais 2. Fait 1, donc ça fait 3. Ok. Ok. Pitting. Bien. Parce que je sais pas comment du coup réinitialiser. Ah, c'est bon. J'ai trouvé. Alors. Est-ce qu'on a le paysage? Ouais, Reggie joue en dernier. Ouais. Enfin, dernier avant Zarg. Quand même. Pardon. Ok. Pourquoi tu refais un jet de texte? Non, mais je sais pas, il s'est lancé tout seul. Mais il est chiant. Il est chaud. Il a voulu venir tout seul. Je crois que même le perso a tellement envie d'en découdre que le jeu, il va pas bien. Ouais. Et je pense maintenant que c'est le moment. Il y a de fortes chances. Je sais pas pourquoi il dit ça, c'est peut-être. Le moment de quoi. C'est pas bon. Je pense qu'il va y avoir une attaque qui va partir en direction. Il y a un peu trop de monde vers lui. Et du coup, il va y avoir une... Une entrée dans le portail, allez hop, ciao. Non, pas une entrée dans le portail, mais un mouvement. Je sais pas si vous voyez un peu les...
les ondes de choc de Sephiroth quand il balaye son katana. Il va plutôt faire une onde de choc de feu autour de lui pour repousser Zarg, Nail et Akai un peu trop loin, donc ça devrait être bon pour lui. La strat de pas rusher. Il va être content, plus il a Donc là, si on fait un, on est touché par une onde de choc, c'est ça? Ouais. En tout cas, son katana va s'abattre. Si je le fais en action de réaction, il y a une confrontation. Ouais. Pas sûr que, du coup, je puisse... réduire. Bah, esquiver le truc. Le problème, c'est que pour le moment, j'ai pas d'action prioritaire parce que c'est lui qui est devant. Enculé. Ouais, je l'attends en réaction quand même. Je suis joueur. Ok. Et tu fais quoi en réaction? Je vais faire un windstep pour passer au-dessus des flammes et atterrir l'eau. Atterrir l'eau? Atterrir l'eau. À côté de Nanan? À côté de Nanan. Okay. Mais derrière son attaque en gros. Très bien. Derrière son attaque à côté de Nanan? Zarg, est-ce que Zarg lui. Non, Zarg il encaisse. Ouais, carrément. Oh là là. Et combien de fois il se blesse aussi Il est ultra pété contre les mobs et là, genre, il va devenir à chier, quoi. C'est en mode démerdez-vous. Je pense que ça va probablement trop vite pour lui. Oh là là. Il est trop vieux maintenant. Je croyais qu'il était balèze. Il est trop vieux. C'est plus de son âge. Et il a quand même pris cher entre le poison, Akai. Ouais, il a encaissé quand même. Hein. Allez. De se battre dans le garçon, il est grand. Il est grand. Mon action principale, c'est parti. Et moi en réac, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, grimoire, windstep. C'est parti. Attention. 12. 8. Oh! Joli, ça passe. Et 8 pour le MJ qui est battu sur cette action. Il fait combien, Zarg? Zarg, lui, il esquive pas. Il esquive pas, il prend. Ah, il encaisse. Il encaisse l'onde de choc. Il va au moins faire semblant de se protéger, quoi. Non, c'est plutôt en mode il en a mais rien à carrer. Il encaisse le coup, hein. Il recule d'ailleurs et il y a une partie de ton truc qui a fondu. Je sais pas comment je vais gérer. Parce que la glace et le feu, c'est pas un bon mélange. Je sais pas comment je vais gérer la fonte des glaces, mais en tout cas. Ah, comme ça, comme ça, c'est bon. Ouais, mais il y a un petit bout. Ah, je peux peut-être faire un truc comme ça. Ah non, je peux pas. Hop, touche à rien. Et lui, en tout cas, Zarg est un petit peu repoussé. Mais il est toujours debout. Et il va probablement continuer d'avancer. Alors, mon action est faite, toi ta réaction est faite, c'est à toi Nail. Ouais. Et je vais... Alors, normalement, j'ai encore des fumigènes, on est d'accord. Hein. Ouais. Il va la faire omniger. J'ai encore des fumigènes. Ah, les petites bombes que je t'avais faites aussi, je crois. Oui, mais là, je vais claquer une fumigène et je vais faire disparition ninja. Ninja, il prend Nara et Nana et hop, sur le côté. On va claquer juste une fumigène à nos pieds et on va prendre Nana et on va se barrer. Toi que tu vois après avec le filet, je vois où, je veux plus rien. Ça me va. Oh. Faut que je fasse un truc pour claquer la fumigène ou... Faut juste que tu me dises combien de... le périmètre du fumigène. Ah bah je sais pas, y a pas marqué. Oh. On n'avait pas dit. Est-ce que ça fait beaucoup ou pas? Oula, ça fait beaucoup. Rayon 10 mètres? Ah bah oui.
Tu vas voir ça, ça ferait quoi? Ça ferait beaucoup quand même. Ça ferait beaucoup là, non? 3 c'était bien, non? Pas beaucoup trop. C'est bon. Attends. Pourquoi ça fait pas ce que je veux? Ben voilà. Cette zone là? Ouais, ça me va. Ok. Ok. Et je prends Nana le cours. Donc, ton action gratuite, c'est de lancer le fumigène. Ok. Et si tu veux l'emmener rapidement, Nana, je pense que t'as plus d'intérêt de faire une action de déplacement pour l'emmener. Ouais, alors, c'est quoi mes stats en termes de vitesse et en termes d'athlétisme, c'est ça? Ouais. Vitesse 4, 3 succès auto. Athlétisme 3, bon on va faire de la vitesse alors. Essaye, lui aussi change de. Et donc du coup. Essaye, vous parlez de l'autre. Vitesse! Super vitesse! 31 mètres! Waouh! On prend Nana, on se tire! Et tu vas de quel côté? Agnor, désolé les. Le portail. Désolé les copains. Portail! Mais moi je m'enfuis par là! Je vais mettre Nana derrière le pilier là. Alors, tu peux pas traverser les statues. Oui, bah, fais tac et puis ensuite j'ai fait tac et c'est bon. Il y a 10, ça fait 22 mètres, c'est largement suffisant. Mon 31 mètres, il est au calme. Ah, c'est drôle. Je suis en train de dessiner en même temps que je me jure. Donc j'emmène Nana, on va se planquer derrière le pilier. Voilà. Oh, il fait un petit bonhomme. C'est bien parce que ça, il a caché le boss maintenant. Le trouve le boss, il va repartir dans le truc, on va même pas le voir. Je m'en bats les couilles. Nana en sécurité. Il est où le boss? Bah, il est parti dedans. Ah, Nana security. Très bien. Security. Alors, est-ce qu'on avait dit que c'était à peu près ça? Mais oui, t'as pas emmené Nana. Mais ici, mais non, je peux pas la déplacer. Je peux pas la déplacer. Déplace Nana derrière le pilier, merde. On est pas trop mal. Alors, hop. Attends. Non. Bien. Tu l'as enlevé loin de la soigneuse. C'est parfait. Hey. Bah oui, t'es con comme un boulon. T'aurais pu reprendre en sens inverse le... Il m'a pas vu m'enfuir, il m'a pas vu me cacher. Pour moi, opération sauvetage est un succès. Ouais, le tunnel glacé, glissage, soignage. Moi je suis. Bah non, parce qu'il m'aurait peut-être vu m'enfuir de ce côté-là et voilà. Au moins. Pourquoi il t'aurait eu de ce côté? Je dirige son attention ailleurs, je vous permets potentiellement de le choper. Vous pouvez aussi le droit qu'il s'enfuit. Alors je trouve. Je trouve plus. Ok, moi c'est pas grave, ils sont fous. Effectivement, vous ne voyez pas ce qui se passe dans la zone. Vous avez juste un écran de fumée. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour justifier le fait que vous ne voyez pas, je vais masquer. J'ai fait n'importe quoi. Oui. Ah oui, vous avez vu ce que j'ai fait? On n'a vu aucun changement. Ah oui, bah moi j'en ai vu. Arrête de tout. J'ai créé une nouvelle scène, ça m'a emmené dans un monde tout blanc. Il est allé au paradis. C'est ça le paradis. Il est mort d'une fumigène en fait, genre il était sensible à la fumée. C'est son point faible. Oh non, la fumée, non. Ça serait drôle. Non, je voulais faire ça. On a toujours rien vu, mais c'est pas grave. Mais vous voyez tout. Ah oui. Ça. Ah, il a disparu. Ah, c'est plus simple, je le fais disparaître. Alors... Je suis un vrai prestidigitateur, tu vois. Pouf. Il est là, okay. Il est plus là. Alors. En tout cas, c'est à Elena. Oui, du coup, il est plus là, on le voit plus, c'est ça que ça embête. C'est ça, on le voit plus. C'est le fils de flotte. Bon, du coup, Nana. Désolé, Nana. Sauvetage est une priorité. Est-ce que. Parce que je veux changer. Oh mon dieu! Il est. C'est la fumigène. Il est chaud patate. Il met la fumée. La fumigène. Oh, un brique. Oh, de la pierre. Oh, un parquet. Oh, de l'air. Ah voilà. Oh, de la glace.
Ou de la terre. Ouais, mais y a ah bah attends, reviens le gris là. Ouais, celui-là il est pas mal, ouais. C'est de la neige, mais ouais, on peut faire ça. Non, encore avant, ça faisait gris, ouais, ça là. Non, ça c'est de la terre, frère. Non, mais avant, ouais, ça là. Ouais, ça c'est bien. Ouais, on va laisser c'est ça. C'est bien, je vais vous laisser ça. Ninja. Ok. Il y a de la glace, il y a de la neige. Il y a un sauvetage, il y a un portail. On est pas mal. Elena. Elena, c'est à toi. Bah, j'ai envie de faire mon glou 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 pour ma potion. Déjà ah, ouais. Alors, ton goulou 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 de la potion. Ouais. Mais. Qui me donne la plus de force de magie. Mais, je sais pas si t'es au courant, c'est que la première phase en fait du boss. Hein. Bah ouais, mais au moins si on le sort, on le met sur le côté, car on affronte le boss. Non, il est en première phase, ça veut dire genre en mode il est plus faible. Genre si on le bat en fait, genre le MJ va trouver un moyen en mode il a absorbé suffisamment d'énergie du portail pour genre devenir un giga monstre sa mère. Histoire d'offrir un combat épique. Alors, vaut mieux garder nos bazars pour la deuxième phase, n'est-ce pas, Miyuri? Probablement. après, je t'en veux pas, merci, quand même. Faut demander à Akai son avis, quand même. Bon, Akai... Akai, là, c'est soit glou glou glou, soit parti... Lui, de manière, peu importe ce qu'on lui dit, il fera ce qu'il veut, donc... Ah, mais Akai, oui, il est parti aux toilettes, en fait. Donc, c'est ça qu'il a coupé le micro. Avant de boire la potion, réfléchis à ce que je viens de dire. Ah, mais là, je le vois pas, c'est carbétant. Ce que je peux faire. Ouais, qu'est-ce que. Voilà, t'avais évoqué plein de choses. Non, ouais, ça va passer tout le temps. Oh, finesse. Là, ce que t'as plus ou moins vu, c'est de la fumée. Vu, c'est de la fumée. Si jamais tu veux, je t'autorise un jet de perception dextérité pour voir si t'as pu voir Nail s'enfuir avec la sœur. Je te l'autorise gratuitement si tu veux t'aider à prendre une décision. Parce que déjà de savoir que la sœur est sauf, ouais, ça peut peut-être t'aider dans tes réflexions. Tu veux faire le jet? Ouais, je te demande un jet parce qu'il y a quand même le portail et tout, il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent t'embistrouiller. T'embrouiller la vision. Hein. T'embistouiller, oula. Ils sont cachés derrière un poteau, donc... Un pilier, ouais. T'as pas le choix que de faire un jet. La ligne de vue à travers le portail, ce qu'il est dense, ce qu'il est transparent. Il y a des éclairs et tout, donc ça, enfin c'est un peu chaud, surtout que Nail a tendance à courir vite. Donc, fais quand même un bon jet. Bon, une fois que j'utilise pour la suite. Le chat. On aurait dit Akai qui faisait kiki, mais loin. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais ton jet de perception dextérité. Perception dextérité, bim. Ça, c'est bon. Allez, 8 et plus. Alors, perception. Ah, il lui donne la difficulté et tout, quoi. Perception. Trop sympa. Si elle veut claquer une frénésie, elle peut. 9, pas besoin. 9. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc tu as effectivement vu Nail sauver sa sœur. Les fumigènes, c'est probablement lui. Du coup, c'était lui. Ici, donc ça t'enlève une option que t'avais essayé toi de ton côté. Je sais même pas si le mec est mort. Courage parce que le bois face au feu. Bah ouais, ça aussi. Oh, il y a un match-up aussi. Match-up moins 5. Ah, je vais me brûler moi, la forêt. Il n'y a que Akai qui a un match-up correct. Akai a un match-up parfait. Ah ouais, il est feu contre feu. Il est feu contre feu et. Il est parfait. Je le sais, pas besoin de le dire. Je suis meilleur, je suis on parle meilleur. Du match-up, Tokar va. Mais heureusement, il y a Findus. Je suis meilleur. Heureusement. Il y a Findus. Ça, Elena de jouer. Il y a Findus qui. Alors, est-ce que tu veux qu'on t'aide? Rapproche-toi déjà, en vrai. Mais je suis en train de faire deux secondes, attends. Parce que là, t'en vois pas, si je fais ça, ça sert à rien, peut-être. Là, toi, t'es caché derrière. Nana, ok.
Oh punaise, je... Là je bloque, ça m'énerve. Bienvenue. Vu que tu m'as dit ouais, tu fais pas ça tout de suite comme ça, bah voilà, du coup je sais pas. Quoi? Ah oui, tu m'as dit non, fais pas tout de suite ça, comme ça on aura besoin et tout, pour plus tard. Bah ouais, mais en même temps, ouais, ce que je dis c'est logique ou pas? Peut-être. Après tu fais ce que tu veux, mais voilà, je dis. Et je me dis au moins si on sort de là, on casse les statues, le truc est passé, et puis... Non, casser les statues comme il l'a dit à Kyle, ça risquerait de niquer le bordel. Oh putain. Et bon, on déplace les statues, non, ça peut pas. Quoi? Genre, comment tu vas déplacer? C'est gros, hein, vraiment. Genre, Reggie, t'avais dit que dans les statues, il y avait les réserves de magie. Enfin, que c'est ça qui est stocké. C'est bon. Ah, t'as pas vu les... Ah, Elena, elle a pas vu les câbles qui s'enfouissaient et qui conduisaient l'énergie. Donc, est-ce que c'est cohérent qu'Elena se comprenne que, en fait, les statues, elles sont reliées au sol, probablement par des tuyauteries, etc. Donc, la déplacer, ça me paraît compliqué. Surtout qu'elles sont immenses. Et, c'est ouais, pas des petites statues, genre, c'est avec tes petits bras que tu vas déplacer la statue? Non, non, elle aurait fait ça avec ses hentes qu'elle aurait invoquées, comme ouais, c'est vrai, j'en pense ça. Après, voilà, ça consomme de ta magie, hein, ton... Ah, si, en plus, c'est ton truc. D'ailleurs, je considère que comme les Téliennes ont été coupées, elles sont plus disponibles, et que ouais, ça avait rompu ton sort à maintien, donc t'as pas eu à consommer le... Ouais. T'as combien de mana, là? 28. Ah ouais, c'est vrai, t'en as gaspillé pas mal. Elle en a utilisé pas mal, après, Elle a une potion de mana, ouais. T'as une potion de mana, tu peux aussi... T'as un sort aussi pour récupérer de la mana. C'est étrange, dit comme ça, mais t'en as un. Sinon, tu peux mettre des ronces dans la zone de fumigène, comme ça, s'il veut sortir, il s'arrache les ronces. Bah non, parce que... ça sert à quoi de mettre ça? Avec le feu, il va les cramer, ses ronces. Mais ouais, mais au moins, il est obligé de dépenser des actions pour sortir. C'est vrai. C'est toujours utile. Mais après, t'as plein d'options, hein. T'as un personnage avec rudement d'options. Mais ouais, c'est un perso créatif. La seule limite, c'est ton imagination, Nini. Ouais. Donc après, t'es pas obligé non plus de passer à l'action combat. Hein. Tu peux aussi étudier. C'est un support, ton perso. Ouais. Pas un combattant, c'est un support. Et là, pour supporter. C'est dur à supporter. Là, et nous, on est les DPS et tanks, en fait. Eux, c'est les boulets de canon qui foncent sans réfléchir. Ouais, mais la vie de ma sœur était en jeu. Oh. Mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe à Akai et qu'on ouais, voit parce après que là, pour toi? Je bloque, okay. Ça Akai. Qu'est-ce qu'il fasse, Akai? Il y a du brouillard devant lui. Et du coup, ton action principale, Elena... Elle est stockée en action prioritaire. Est devenue une action prioritaire. Donc si tu veux agir pour annuler l'action de quelqu'un, mais annuler, okay, tu pourras. D'accord, ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise ma prioritaire du coup maintenant. Si je veux... Okay. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que Sarg, il joue en dernier, ce con. Ouais. Tu peux me déplacer de combien, là? Tu m'as dit en normal, en 8 mètres. Il va pas oser... 8 mètres gratuit. Il va vraiment entrer dans la fumée. Il est où, c'est là, je... Là. Paf. Et le portail. Et puis ça va être un souffle du dragon là-dedans, hein. Ouais, bah pas du dragon, mais du dieu des forges. Hey. Oui, non, mais deux secondes, je sais plus du nom du bordel. Je me rappelle plus avec le nom. Mon épée. Rugissement du dieu des forges avec l'épée. Ah, bien. Ok. On va tester ça. Alors, je sais pas du coup si c'est un classique rugissement du dieu des forges niveau 3, sa mère là. On l'avait pas déjà configuré. Comment on l'avait configuré la dernière fois? Je ne sais plus, je ne crois pas. Forge divine, non, épée de niveau 2. Poisson, mode de combat Non, on l'avait pas configuré la dernière fois. En fait, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que du coup, ce soit pas forcément... Mais il y a un avantage avec l'épée de le faire, hein, ou c'est juste pour te la péter? Les deux. Alors du coup, s'il y a un avantage, c'est quoi l'avantage?
Moi, le... Ça. L'avantage que je verrais, c'est que je mettrais pas les mêmes caractéristiques et domaines. Et tu serais potentiellement plus sur de la force combat en mêlée. Et il a plus en combat en mêlée. Explosion Flame. Si jamais tu veux, attends, on va faire un truc. Getsu Gassen, tu vois. Tu vises le plus fort, le niveau 2 ou le niveau 3? Ouais, le niveau 3 pour un gros cône. Merde. Ok. C'est ça. Je vais te mettre ça. C'est un cône, ça, je regarde. C'est un beau petit cône en plus, je prends. Ouais, il balaye au moins 70% de la zone. Ouah, plus, hein. Ah non, il y a un bon 70. Ah, regarde. Bah ouais, mais mets-le le plus à gauche possible. Genre, de préférence, ça touche le bord gauche du cercle. Tu vas voir. Bah non. Ou le bord droit, ouais, tu là, vois, je fais un 70, là. Je hein. Ouais, bah mais je fais pas comme ça. Je fais comme ça, là, c'est un 80. Nah. Ça change pas des masses, en fait, que tu bouges le truc. Ah, là, si. Ça va occuper à peu près le même pourcentage de surface, quoi. Moi, je pense que tu... Je pense que tu devrais le mettre... Vas-y, descends encore un peu. Là, remonte. Non, là, non, c'est bien. Remonte dans l'autre sens, encore non, un non, peu. Non, 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 là, non, non. Là, 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 il y a quelque chose. Là, il y a un truc. Là, il y a des trucs. Là, il y a quelque chose à faire, quand même. Allez, non. Maintenant aussi, là, là, c'est pas mal. Mais il va bombarder des démons, ils auront rien demandé, frère. Ils étaient tranquilles, chill, posés à la terrasse. Ils vont se prendre un rugissement dans la gueule qui vient d'un autre monde. Ouais, ça, on va faire ce que je te propose du coup, je t'ai mis je t'ai mis dans la description de ton sort, c'est quand tu veux utiliser avec l'épée ou sans épée, donc faut voir un peu là où t'as le plus d'avantages, etc. Mais si tu utilises avec l'épée, ce serait plutôt force combat mêlée. Et sans épée Et sans épée, c'est dextérité intimidation sur ton sort. Mais par contre, c'est bien le bouton. Et il a quoi en plus? Enfin, c'est quoi la stat la plus baisée, comme on dit? En force, clairement, il est... Let's go! Avec l'épée, Getsu Gaten Shiro. Un grimoire, y'a rien, là, j'ai rien. Dans le grimoire, rugissement, c'est le deuxième. Je t'ai mis dans la description. Ah bah oui, mais tu vois pas parce que c'est un peu trop petit. Attends, j'évite de sauter une ligne. Parce qu'il y a des... Mode sans épée, dex, x intimidation, mode avec épée. Et là, je te l'ai positionné en mode épée. Vas-y, casse-lui la gueule, Akai! Donc je lance juste les dés, là. Ouais, juste les dés du sort. Et baise-lui. Baise-lui sa mère. 10, oh. Ok, 10 plus 15 de dégâts, donc ça ferait 25 de dégâts si tu le touchais sans jet de réaction, etc. Tu balances ton épée... Getsuga Tensho, mais il la voit pas, la menace, il va se prendre un truc, frère, il... Qui ouvre le... littéralement le... Sa bouche, parce que je sais pas si tu te rappelles qu'on avait défini qu'elle ouvrait le visage un peu d'Alog en mode vénère, qui crache ton rayon et qui dissipe littéralement la fumée. Ton rayon vient exploser dans un mur dans ce coin-là. Hein. Ça... Hop, j'ai carrément déplacé la map. Magnifique. Effets spéciaux. Il est où le PNJ? Et il n'y a personne dans la fumée. Mais il est parti où? Bah dans le truc, c'est Ajax. Il est allé dans le portail? Bah. Alors. De toute façon, j'ai envie de te dire, pour aller chercher Dollar Bone, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'ouvrir un portail pour une 200. C'est la ligne 200, il y a un portail. Alors à un moment, faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit, faut y aller. Ouais, non, mais il est vraiment allé dans le portail, wesh. Régis, c'est à toi. Non, il a fait le tour du portail, après hop. Là, attends, on est d'accord, il est dans le portail. Mais on sait pas. Il a disparu, on sait pas où il est. Vous ne savez pas où il est. Y'a pas de trou, rien du tout. Bah sniff, est-ce que tu le sens? Sniff le régime. Oh bon, merci, je suis pas un kleps. Bah si, tu le sens, excuse-moi. Sniff. Bon, oui, hein. Bah du coup, c'est quoi, c'est instinct sur. Elle m'a levé la patte à faire l'arrêt. Il est encore là. Il est là. Je le fais pas, hein, s'il continue. C'est toi qui... Bah on a une taupe, autant avoir un Klebs dans l'équipe, quoi. C'est toi qui me dis comment tu veux essayer de le repérer, si jamais c'est l'idée de Reggie, c'est d'essayer de le faire. C'est toi qui me dis ce que tu... C'est là où t'as le plus de...
d'avantage sur instinct perception, instinct, enfin dextérité perception. Ouais, bah faut que je vois. Miaou. Oh, grosse bébête. Six. Oh ma bébête. Oh la bébête. Ah, ok, 6. Ouh là là. Où il va où? Ah, ça, il a sorti. Alors, sa barrique. C'est passé extrêmement vite entre le fumigène, Akai qui a Getsuga Tenshou envoyé son rayon dans un déluge de lumière, de feu et de poudre métallique, la dissipation, etc. Il y a juste une chose que t'es certain, c'est qu'il est toujours là. Tu sens encore sa présence. Tiens, alors, il n'est pas passé par le portail. J'ai le droit de regarder au-dessus, au plafond, s'il est pas en mode, tu sais, en mode Naruto, là, les deux pieds comme ça, en train d'attendre au-dessus. Attends, en mode, je suis Spider-Man, fils de... Non, attends, comment il s'appelle déjà? Rengoku. Rengoku. Okay. Rengoku. Rengoku. Est-ce qu'il peut marcher? Aïe. Moi, j'en peux plus d'elle, hein. Si quelqu'un veut me l'échanger, il n'y a pas de problème. Hein. Alors... Est-ce que ça vous va? Est-ce que je peux jouer Sarg? J'ai quelques actions à jouer. Et Sarg? Il n'y a pas quoi jouer, oui. Attends, j'ai peut-être un truc à jouer quand même. Oula. Avant ça. Comment ça, il a un truc avant jouer? Oula. Oh, j'aime pas trop ça. T'aimes pas trop beaucoup plus moins ça? Oula. Mais il a consommé son action principale. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas fait de réaction pour la fumée. J'ai peur, qu'est-ce qu'il fait? Mais la personne n'a joué, donc il n'y a pas eu de réaction. C'est trop calme. Alors, j'aime pas trop je pense ça. Qu'il va justement au moment où Zarg, lui, les autres, ils va... Sont dehors, parce que je pense que Akai, vu ton action, etc., Zarg, il va probablement jeter un petit coup d'œil en l'air. Et... Mais non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Tac. Oh. C'est que lui... Il a une action prioritaire. Et il va venir frapper Zarg. Oh non, merde. T'es bien au-dessus, cet enfoiré? Ouais. Oh putain, là. Tu se prends pour Pain, maintenant. Alors, il a sauté, tranquillou. Et là, tout le temps de ton action, etc., c'était la chute. Et là, il va tomber de toutes ses forces. Quand je dis de toutes ses forces, c'est j'utilise ça. J'utilise ping-pong, je fais une raquette et je renvoie en l'air. T'as une action. T'as une action de réaction, Reggie, t'as une action de réaction. Si vous voulez réagir à son action, une batte de baseball. Vous pouvez. En tout cas, lui, il va transformer son épée en raquette. En tout cas, lui, il va annuler l'action de Zarg en le frappant avant. Ouais, mais s'ils arrivent à s'interposer, du coup, en vrai, Zarg va pouvoir faire son action. Alors vous êtes trop loin, mais tu t'es pas déplacé sur ce tour Edgy, donc tu peux t'avancer de 8 mètres. Tu as des actions à distance. Ouais, arrête de dire t'es trop loin, t'as un hurlement du dragon de glace électrifié là. Oui, mais je vais pas toucher Zarg, enfin, si je l'utilise. Il est en l'air. Là, vu que j'annonce qu'il a, il va atterrir sur Zarg, je pense que vous allez avoir le temps de le voir, si vous voulez réagir. Ah ok, ah il est en l'air. Ouais. Et Akai, t'es à côté de Zarg, donc tu peux réagir aussi pour protéger Zarg. Il l'a vu, Zarg, qui lui fonce dessus, ou il le voit au dernier moment, en fait? C'est Zarg... vraiment merde. Zarg vient de le voir, il allait probablement faire quelque chose. Là, Rengoku est en train de lui atterrir dessus. Si je peux tenter de le plaquer, moi. Tu veux plaquer Zarg? Ouais. Et toi, Reiji, tu veux tirer Rengoku? Enfin, tirer... Enfin, je me comprends. Non, je veux faire un hurlement de glace sur Rengoku qui en est. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, vous pouvez faire vos deux actions de réaction qui vont se cumuler. Sachant que j'ai la glace et j'ai encore l'électricité, vu que j'ai activé la foudre. Ouais. Et hey, tu fais quoi, toi? T'as pensé à enlever ton coup de maintien? Attends, faut que j'enlève après. Par contre, du coup, j'ai pas de malus, j'ai pas de bonus. Ça fait plus de dégâts, non? Sauf si tu veux rajouter des points de frénésie pour... Alors, t'as les 3 de bonus, quand même. T'as les 3 de bonus de ton mode. Mais c'est pas les bonus sur le G, en fait. C'est ça, c'est au calcul. Donc, ou alors, c'est sur le G, genre un peu comme mon tension mode.
C'est sur vos gels. Ok, donc t'as un bonus de 3. Allez, Miyuri. Je peux en mettre combien? De quoi? De frénésie? Tu peux en mettre jusqu'à... J'avais dit combien? 2? 1? Je sais plus combien max. C'est un succès, un point, je crois. Ah, tu vas vraiment assurer le coup? Et Kai, tu le plaques comment, toi? Trop. En sbire, hein, c'est je saute. Ouah. Donc, force... Merde. Force combat au corps à corps pour le plaquer, ça te va? Merde. Je sais pas compter, à l'aide. Je lance. Ouais. Et puis je vais lancer le mien juste après. Donc là, t'es à 9 et Reggie, t'es à 6. Hein. On est d'accord, ça fait 14 à vous deux. Il est à 7, ça fait 16. Ok. Et MJ, nickel. 14. Du coup, ils ont réussi. Ok, très bien. Alors, entre ton tir qui va venir au moment où il était en train d'atterrir avec son salam, comme ça, toi, tu vas venir percuter son... dévier sa trajectoire. Et là où Akai, lui, plaque au sol notre ami Zarg, qui, du coup... se retrouve un peu plus loin. Un peu plus loin. Tu veux le plaquer jusqu'où Juste à côté, enfin. Juste voilà, là ouais, bien. Histoire de. Donc il allait atterrir ici, tu l'as re-shooté. Tu l'as rééloigné et remis dans son cercle. Pas mal. Ok. Pouf. Très bien. Bah bien joué, hein. T'as une action prioritaire au passage. Je sais. Tu tires, de flèche météore. Tu tires jusque combien, Nini? Alors. 1,6 km, c'est le sniper. Pour la blague, Nini, c'est vrai que t'aurais pu utiliser ton action prioritaire pour annuler la sienne. J'avais oublié cette option. 25 mètres. Combien? Tu peux attaquer 25 mètres. 25 mètres. Il y a combien là entre toi et... 38 mètres 60. Elle peut se déplacer encore, elle l'a pas fait son déplacement. Elle peut se déplacer de 8 mètres. Bah 8, 25, ça fait 33. Ouais, c'est ça. Et t'as dit 38 mètres. Ouais. Putain, t'es trop court de 5 mètres, c'est dégueulasse. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, but. Après, tu peux pas acheter une action gratuite de plus avec des points de frénésie par exemple? Ouais, c'est. Et donc tu peux te déplacer deux fois et là t'as la distance pour tirer. C'est ça. Et en plus comme il a fait son action principale, comme il a fait son action prioritaire, genre il aura pas forcément de timing pour réagir, tu vois ce que je veux dire? Yeah, c'est pas bon. Voilà, moi je t'ai donné une piste, à toi. Gaspille pas une action prioritaire. Fais pas comme moi. Dégueu. Mais Agile a pas fait son truc, si elle a fait son truc. Quoi? Son lancer, elle a pas fait son truc électricité. Si, si, si elle l'a fait. Et ça l'a pas touché du coup. Si, ça l'a touché, mais ça l'a décalé. Ouais, okay. Alors, en fait, il a pas pris des dégâts ou quoi que ce soit. Ça l'a fait rater. Il a pris quelques dégâts des éclairs, mais c'est pas significatif. C'est vrai que le MJ peut tricher sur les points de vie des boss. Ouais, mais est-ce que j'ai encore des flèches au fait? Ça aussi. je regarde les TikTok JDR, maintenant je suis rodé, hein. Il a quand même pu autant de points de vie qu'au début. T'as combien de flèches du coup? Je suis en train de regarder, je sais plus combien j'en étais. T'as pas repris tes flèches? Je crois que j'en avais pris un qui était sous le serpent et tout. Oh putain. Un qui était sur le serpent? Sous le sapin? Ah, elle tient un serpent, elle a ramassé la flèche. Ouais, on l'a pas restocké, putain. Tous rentrés comme ça, on n'a pas. Mais c'est RP, c'est bien. Bah non. Mais ça va être littéralement useless, quoi. Dans le feu de l'action, t'as pas le temps. T'as récupéré quelques flèches, genre. T'en avais planté une ou deux. Une dans le sol. Récupéré une. Elle pouvait créer des racines, donc créer du bois, tailler du bois. Moi, je vais faire des pointes en acier. Non, parce que son sort de création, c'est un sort amatien à la con. C'est même pas un sort en mode « Ah, je peux faire des flèches !» Voilà. Frère, il y avait 15 000 arbres dehors à un moment.
Alors. Bon, mettons, il te reste une flèche. Ouais. Faut essayer. T'aurais dû recharger le pistolet, hein, vraiment. Hein. Je l'ai plus le pistolet. C'est qui l'a le pistolet? Je sais plus, je crois que tu l'avais repris ou je sais pas. Je l'ai repris, ok. Ah ouais, je crois que tu l'avais repris. Bah j'aurais dû recharger le pistolet. Voilà, et toi de me le donner encore. Mais non, alors, elle est là. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, là j'ai une flèche, je peux déjà essayer d'avancer. Tu veux avancer de 16 mètres en achetant une action gratuite? Ouais. Ah, ok. Vas-y, achète ton action gratuite. Donc tu vas faire tes premiers 8 mètres et tu vas refaire tes deuxième 8 mètres. Non, consomme. Consomme. Je consomme d'abord. Ouais. Hop, voilà. Tu fais tes 8 mètres. Je fais mes 8 mètres, ok. Voilà. 8 mètres, c'est okay. À peu près... À côté de Régie, à peu près, non? C'est pas non. Ça. Non, ou c'est non, à peu non, moins. Non, regarde la règle. Voilà. 8 mètres, c'est là. C'est à côté du corps. Oh, d'accord, mesure. Et après, tu peux refaire 8 mètres en trappant... Pour te rapprocher et dégager un peu plus la vue. Et on le voit pas le l'ennemi ou tu vas nous le remettre? Ah bah oui, je l'ai déplacé et tout, mais je croyais que je l'avais remis. Attends, je vais le remettre. Ah mais vous êtes fort, vous avez joué avec de l'impro là. Attends, déplacez sur le calque. Là, normalement, t'as la distance nécessaire et suffisante pour décocher une flèche. Vise la tête. Oui, en plus, je vous ai dit où je le remettais, et puis vous m'avez pas redit que je l'avais. Non, je vais prendre la VQ. Alors. Alors, du coup, ensuite, faut que je tire. Non, j'ai assez pour tirer ma flèche. Oui, là, t'as la distance. Ouais. Du coup, faut que je fais. Dextérité sur tir à combat distant. À combat distant. Et t'as plus de flèche, du coup, après. Mais c'est pas grave, après, j'en fabrique pendant ce truc. Avec quel bois? Et si j'essaie à faire des trucs, je peux... Non. Ah oui, il y a les traces de racines, ouais. Ah ouais. Rigueur. Oh, quand même. Ouais, mais il a un nombre de sorts de dingue, lui. Voilà, c'est qui, ton perso ou... 8. Ah, c'est ça, oui. 8. Ok, très bien. Merde. Je regardais juste un truc. Ok. Merde. Moi, en tout cas, parce que je vous réexplique. Donc, une action prioritaire, une action principale qui était d'attaquer Zarg et compagnie. La prioritaire pour annuler l'action de Zarg. Mais il y avait une action de réaction pour se monter sur le plafond. Et il a encore une action de réaction. Touk. Et du coup, il va se défendre. Alors, comment qu'il va se défendre? Qu'est-ce qui est le plus badass? Je pense que c'est... De se prendre la flèche. C'est ça qui est plus badass. De couper la flèche en deux. Non. Et oh, réussi en plus. Et du coup, mais tu as deux flèches. T'as deux moitiés de flèches. Bon, ça fait deux en un. Après, faut les récup, quoi. Voilà. Bien. Vous commencez à choper des infos sur le berceau. Clairement, le Rengoku commence à être vénère. Donc Zarg, lui, s'est fait le black, etc. Donc son action, j'avais dit qu'elle avait été annulée. Il va recommencer à psalmodier d'une force assez vénère. On est d'accord, ta glace, Reggie, tu la maintiens plus? Ou pas? La glace est par terre? Ouais. Bah, normalement, j'ai pas besoin de maintenir. C'est une patinoire, c'est une patinoire. Ça reste une patinoire magique. Je crois que c'était un sort quand même à maintien ton. Bah non, puisque quand on avait fait le pont, moi j'avais laissé mon truc de glace. Et en fait, tu générais de la glace sous au vous, sol et puis elle fondait. Mais avec tu la laissais pas forcément. Enfin, moi, dans mon imagination, tu la laissais pas tous les escaliers. Bah regarde, si le sort, c'est un sort à maintien, quoi, en fait. C'est pas écrit sort à maintien. Bon bah voilà. Donc moi je serais tenté de dire quand même que ça... Ou alors au pire que ça commence à fondre un peu parce que la température augmente si tu veux. Ouais. En tout cas il a l'air de repasser un cran. Et vous voyez les flammes autour de son katana commencer à virer au violet. Oh shit. Oh quelle belle couleur. Par contre, vous avez tous me faire un jet de
instinct perception. Ok. J'aime pas vraiment beaucoup ça. Instinct... 6 pour Reggie. C'est un peu moins bien que tout à l'heure, non? Bah... Je sais plus ce que t'avais fait tout à l'heure. Je m'en rappelle plus. Tout début. Akai 7. Ok. Elena, t'as fait combien? Instinct, perception. J'attendais que c'est assez, que c'est bon pour toi, pour pas que ça va trop vite pour toi. 8. Ah bah t'as pas besoin de bouger, moi. Pas besoin de bouger. 8. Okay. C'est super. Attends, t'aide. Donc moi je me reset là. Ok, faut que je fasse manger du coup. Instinct, perception. Perception. 12. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Donc. Alors. Avec le 6 et le 7, vous sentez... Alors, certes, Rengoku est en train de reprendre son absorption de l'énergie de ce portail, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grimper en dehors du portail, ou tout du moins qui se rapproche de l'autre côté merde. De vous. Elena, c'est un peu aussi juste pour toi. Par contre, c'est diffus ce qui est en train de monter dans ce portail. C'est diffus au point que tu ne sais pas forcément identifier tout ce qui est en train d'arriver. Par contre, ça te paraît un peu familier. Et toi, Neil, tu sens que en top moumoute de ce qui est en train de grimper de ce portail, tu sens une magie, enfin une énergie qui a tendance à électriser un petit peu plus le portail au fur et à mesure que ça se rapproche. Ah, c'est le démon d'Ezekiel. Enfin, la démon. Qui était avec Dollar. C'est vrai. Bah oui, parce que j'ai eu la vision, elle était de l'autre côté, elle était avec Dollar. Mais elle est pas seule. Ça, tu le sais. Elle en tout cas, c'est elle qui est la première. Parce que c'est même elle qui m'a repoussé en mode allez, dégage la vision, c'est bon. Ouais. Pas trop ça, ou en mode. Ok. D'accord. Ça marche. Ouais, familière, c'est... Alors, even 3h07. Ouais. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Ouais. Parce que je pense pas qu'on ait le temps de refaire un tour complet. Non, ouais. Wow. Mais. La prochaine fois, il va se passer quelque chose avec ce portail, c'est une certitude. Il va se passer quelque chose avec ce portail. Ouais, de la bande va sortir, la meuf va sortir, on massacre le boss et c'est bon, non? Non, mais c'est un démon, on peut pas faire confiance au démon, Nini, arrête de. Oh, les défonce! Il a pas confiance. On va défoncer le démon d'Ezekiel, c'est bien. le boss final, c'est Ezekiel. Ah merde! La phase 2, bon, c'est. Bon, on s'arrête là, ok, ça marche. Alors. Ok. Qui sait qu'on peut raid? Oui. Voilà, c'est la grande question, comme d'habitude. T'as enlevé le numéro, quoi? Non, c'est bon, ton truc est enlevé. Mais laisse-moi gérer comme je veux, en fait. Il y a Toanda sur Escape Academy en plus. Voilà, on va pouvoir la backseat parce qu'on a déjà fait le jeu. Allez, go! Merci d'avoir suivi ce live, merci CQBB du merci coup! Merci à vous! Pour l'organisation! Pour la CGDR. Voilà, des bisous à vous! Voilà! Je prépare le raid pour ton mandat, comment on mettra nos réseaux sociaux, commande planning les prochaines émissions. Demain il y a le Netra Arena, en plus demain c'est pas à 20h30 exceptionnellement. Voilà. Et puis c'est le tournoi Smash qu'on organise. Voilà. Puis, Et il y a Draz à l'après-midi aussi. Et voilà, il y a Draz en après-midi. Voilà. Allez, des bisous à vous. Des prenez soin de vous. N'oubliez pas que la santé, c'est important. Matane. Ciao. Ciao.